Bon, la séance est reprise. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs les représentants. Bon, comme prévu hier, nous nous sommes réunis ce matin en formation respective de groupe avec la présence de la représentante des non-inscrits. Nous avons essayé d'obtenir le consensus tant recherché depuis hier. Avec beaucoup de difficultés, nous avons essayer d'arrondir un peu les positions des uns et des autres. Mais compte tenu du retard pris par rapport au démarrage de la séance d'aujourd'hui, on a donc pris la résolution donc d'arrêter les discussions de ce matin pour reprendre notre séance afin de ne pas trop perdre de temps, laissant ainsi les formations respectives de profiler dans la mesure du possible. Donc, les amendements, les nouveaux amendements qui vont porter sur le consensus, ce qui a été arrêté consensuellement ce matin, et bien évidemment les points qui n'ont pas encore reçu le consensus. Ensuite, en cours de séance, lorsque de part et d'autre on aura affiné ces deux documents, on va faire une suspension de séance pour nous rencontrer à nouveau et essayer, j'espère, à ce moment-là d'aboutir un accord qui va nous permettre d'avoir une rédaction commune. Alors, bien entendu, la discussion a beaucoup porté sur l'article 6 et avec une possibilité de revenir sur l'article 5. Donc, je vous propose dès à présent de poursuivre nos travaux en nous reportant à l'article 7 et je vais demander au rapporteur de la délibération de bien vouloir nous en donner lecture. Monsieur William Bonchou. Rikitini Maruru, Tatour Tuki, Fariaborar Hayurana. Les groupements professionnels, les syndicats, les organismes et les associations désignent leurs représentants au Conseil économique, social et culturel, conformément à leurs statuts respectifs et dans le respect des conditions fixées à l'article 148 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 suivisée. Ils déposent auprès du président de la Polynésie française avec copie au secrétariat général du Conseil économique, social et culturel, l'acte de désignation, accompagné des pièces justificatives faisant foi de la conformité des représentants désignés aux exigences prévues à l'article 148 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 suivisée. Lorsqu'un ou plusieurs sièges sont attribués en commun à deux ou plusieurs groupements professionnels, syndicats, organismes ou associations, le ou les titulaires sont désignés par un collège formé par les représentants des groupements concernés à raison d'un représentant désigné par chaque groupement conformément à ses statuts. Le collège désigne le titulaire de chaque siège à pourvoir en son sein par un vote uninominal majoritaire. Si un second tour ne permet pas de départager les candidats, le titulaire sera à égalité des voix le plus jeune. Ce collège est convoqué à la diligence du secrétaire général du Conseil économique, social et culturel qui s'assure de la régularité de la désignation du représentant par le collège. Merci. Donc la discussion est ouverte sur cet article. Aucune intervention, aucun amendement n'ayant été déposé. Madame Juliette Aouadama. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je voulais simplement vous demander combien de temps vous accorderez aux associations pour nommer leurs représentants au CES. Est-ce qu'il y a un délai? Monsieur le ministre. Oui, effectivement. Bonjour tout le monde, Monsieur le Président. Le délai qui est laissé est prévu de l'ordre de 45 jours, qu'on le verra plus tard d'ailleurs, pour permettre justement à toutes les structures de se réunir et de porter leur désignation de représentants. Merci. Merci. D'autres interventions? Plus d'interventions sur l'article 7. Donc je mets aux voix l'article 7. Article 7, ceux qui sont pour? À l'unanimité. Donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 8. Lorsque les 3/5 au moins des membres sont désignés conformément à l'article 7 ci-dessus, un arrêté du président de la Polynésie française constate ces désignations. La publication de cet acte au journal officiel de la Polynésie française ouvre la mandature. À la date d'échéance du mandat précédent, à défaut de désignation de 3/5 des membres, un arrêté du président de la Polynésie française
constate l'absence de ce quorum et prononce le report sine die de la date d'ouverture de la nouvelle mandature. Celle-ci intervient dès lors que ce quorum est atteint dans les formes prévues au premier alinéa du présent article. Merci. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole sur l'article 8 ? Aucune intervention. Je mets aux voix l'article 8. Article 8, même vote. Même vote adopté. Donc je propose maintenant de donner lecture de l'article 9. Toute désignation intervenant postérieurement à l'ouverture de la mandature, telle que prévue à l'article 8 ci-dessus, est constatée par un arrêté du président de la Polynésie française, publié au journal officiel de la Polynésie française. Le membre ainsi désigné exerce son mandat jusqu'à l'expiration de la mandature en cours. Merci. La discussion est ouverte au titre de l'article 9. Qui veut prendre la parole? Aucune intervention. Je mets aux voix l'article 9. Article 9, même vote. Même vote adopté à l'unanimité. Donc, article 10. Au plus tard, 3 mois avant la fin de la mandature, afin d'assurer le renouvellement de l'institution, le président de la Polynésie française invite les groupements professionnels, les syndicats, les organismes et les associations à désigner leurs représentants et à lui faire connaître leur nom dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la lettre d'invitation. La publication du nouvel arrêté de constatation des désignations ne peut intervenir qu'après l'expiration de la mandature, conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 10. Aucune intervention sur l'article 10. Je mets aux voix l'article 10. Article 10, même vote adopté. Donc, veuillez donner lecture de l'article 11. Expire de plein droit le mandat de tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui ne répond plus aux conditions fixées par la loi. Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant 6 mois, sauf motif légitime d'assister aux séances du Conseil économique, social et culturel et de ses commissions, il est déclaré démissionnaire d'office. Merci. Donc la discussion est ouverte sur l'article 11. Article 11, aucune intervention. Donc je mets aux voix l'article 11. Article 11, même vote. Même vote adopté. Article 12. La vacance des sièges par suite de décès, de démission d'office, de défaut de désignation par les groupements professionnels, syndicats, organismes ou associations, ou toute autre raison est constatée par le président du Conseil économique, social et culturel qui en informe sans délai le président de la Polynésie française. Le président de la Polynésie française peut alors inviter les groupements professionnels, les syndicats, les organismes et les associations concernées à pourvoir à la vacance des sièges dans un délai de 30 jours, conformément à la procédure fixée aux articles 7 et 9 ci-dessus. À défaut de désignation, un arrêté du président de la Polynésie française constate la vacance provisoire du siège. L'arrêté est publié au journal officiel de la Polynésie française. Très bien, la discussion est ouverte sur l'article 12. Alors, au sujet de l'article 12, il semble qu'il y ait 2 amendements qui ont été présentés. Donc, je vais proposer au groupe Tahoe'a de bien vouloir présenter son amendement. Peut-être demander à Mme Perceron de présenter. Ah, à moins que M. Yé, pour rien. Président Yorana, Patrick Yorana, Président, du fait que l'amendement de l'article 12 proposé par le groupe Tahoe'a est identique à celui de l'UPLD, nous le retirons donc. Alors, merci, il a dit. On l'a pas lu non. Encore le nôtre. C'est eux qui m'ont fait passer. Je lis, là. Bon, article 12. À la ligne 2, remplacer les thèmes, peut alors inviter... Par invité. Merci. Par invité. Hein? C'est bien ça. Hein? Donc, merci. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, donc à l'unanimité. Donc, la discussion est ouverte. Des explications sur l'amendement. Je lis. Monsieur Yip, oui, vous avez la parole.
Amendement permettant d'obliger le président de la Polynésie française, devant la vacance d'un siège constaté par le président du CESC, à demander aux organisations concernées de pouvoir pour le remplacement de leurs membres, avant toute éventuelle déclaration officielle de vacances provisoires. Merci. D'autres interventions sur ce projet d'amendement? Madame Tamara Bobdipon. Merci, Monsieur le Président. C'était juste pour poser pour une question. Est-ce que lorsque l'amendement est présenté par exemple dans le cas actuel par Houadaïd Arwa, peut être lu par quelqu'un d'autre du groupe? Non, non, c'est une question de précision. Parce que nous avons rencontré ce problème lors des précédentes. Hein. Alors, je voudrais savoir si on peut le faire ou pas. Parce que pour les questions d'actualité, lorsque le présentateur n'est pas là, sa question d'actualité tombe. Précision. Comme ça, il est tout à fait. Président, j'ai eu la procuration de M. Ouedaro. Donc, oui, je pense que sur des notions d'ordre, comment dirais-je, réglementaire, comme ça, on peut se mettre d'accord. À partir du moment où je viens de me rendre compte qu'il paraît qu'il y a un amendement qui est identique qui a été déposé également par nous, je ne vois pas d'inconvénient. Voilà, c'est le dernier moment qui me donne avant de partir. L'intérêt, c'est peut-être le contenu de l'amendement. Donc, il n'y a plus d'intervention sur ce projet d'amendement. Plus d'intervention, donc je vais mettre aux voix le projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc un deuxième amendement a été déposé au sujet de cet article et je vais donc demander à M. Jacques Brion de bien vouloir nous en donner lecture. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, chers publics, je vais vous donner lecture de l'amendement concernant cet article. Il y a lieu de modifier la rédaction de la phrase 2. Je vous donne lecture et ensuite on retire. Il y a lieu de modifier la rédaction de la phrase 2 qui correspond au deuxième paragraphe de cet article. Au lieu de « Le président de la Polynésie française peut alors inviter les groupes », il faut lire « Le président de la Polynésie française invite les groupes, le reste sans changement ». Mais compte tenu de la décision que nous venons de prendre d'adopter l'amendement proposé par le Tahouera, je propose au nom du groupe de retirer cet amendement. Merci. Donc on prend acte que l'amendement de l'UPLD sur l'article 12 est retiré. Donc je vais demander maintenant au rapporteur de donner lecture de l'article amendé. La vacance des sièges par suite de décès, de démission d'office, de défaut de désignation par les groupements professionnels, syndicats, organismes ou associations ou toute autre raison, est constatée par le président du Conseil économique, social et culturel qui en informe sans délai le président de la Polynésie française. Le président de la Polynésie française invite les groupements professionnels, les syndicats, les organismes et les associations concernées à pourvoir à la vacance des sièges dans un délai de 30 jours, conformément à la procédure fixée aux articles 7 et 9 ci-dessus. À défaut de désignation, un arrêté du président de la Polynésie française constate la vacance provisoire du siège. L'arrêté est publié au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Donc je mets aux voix l'article 12 amendé, ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc je propose maintenant au rapporteur de donner lecture de l'article 13. Chaque collège élit tous les deux ans son bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire. Les collèges se réunissent chaque fois qu'ils le jugent nécessaire dans les conditions fixées par le règlement intérieur du Conseil économique, social et culturel. La discussion est ouverte. Aucun amendement n'ayant été déposé. Personne ne veut prendre la parole, donc je mets aux voix l'article 13. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Veuillez donner lecture de l'article 14. Après chaque renouvellement du Conseil économique, social et culturel et avant toute élection du président et du bureau de l'institution, chacun des collèges réunis sur l'initiative du secrétaire général du Conseil économique, social et culturel procède à la désignation en son sein de candidats
au poste du bureau du Conseil économique, social et culturel, aux commissions et à la commission du budget. Ces désignations ne font obstacle aux candidatures individuelles au poste du bureau du Conseil économique, social et culturel. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 14. Aucune intervention. Donc je mets au voie l'article 14. Article 14, même vote. Même vote adopté. Veuillez donner lecture de l'article 15. Pour la première réunion suivant son renouvellement, le Conseil économique, social et culturel est convoqué par le doyen d'âge. Pour le renouvellement du bureau en cours de mandature, le Conseil économique, social et culturel est convoqué par le président sortant. Sous la présidence du doyen d'âge présent, assisté du plus jeune membre présent, il est procédé à l'élection du bureau du Conseil économique, social et culturel. Aucun débat ne peut avoir lieu lors de cette séance. L'élection ne peut avoir lieu que si les 3/5 des membres en exercice du Conseil économique, social et culturel sont présents. Dans le cas contraire, l'élection a lieu de plein droit, sans condition de quorum, le 3e jour suivant, dimanche et jour férié non compris. Pardon. Merci. La discussion est ouverte sur cet article. Aucune intervention. Donc je mets au voie l'article 15. Article 15, même vote. Même vote adopté. Veuillez donner lecture de l'article 16. Le bureau est composé de 12 membres. Le président, 3 vice-présidents, 2 questeurs, 3 secrétaires et 3 assesseurs. Le bureau est élu pour 2 ans. Les membres du bureau sont rééligibles. Alors, au titre de cet article, un certain nombre d'amendements ont été déposés. Donc, je vais demander au groupe Tahouera de bien vouloir donner lecture de son amendement numéro 7. Oui, merci, Monsieur le Président. Yorana à tous. Article 16. À l'alinéa 1er, les termes 3 vice-présidents, 2 questeurs sont remplacés par 2 vice-présidents, 3 questeurs. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole? Madame Iriti. Cet amendement répond tout simplement à une répartition égale des membres du bureau entre les différentes grandes fonctions, à savoir présidence, vice-présidence, questure, secrétariat et assesseur. Et ainsi, il permet aux 3 collèges de trouver leurs représentants dans chaque fonction du bureau. Merci. D'autres intervenants? Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Je puis comprendre que l'Assemblée souhaite un partage des membres du bureau dans les 3 collèges, mais il est donc préférable, et ce qu'avait proposé donc le gouvernement, c'est qu'il y ait 2 questeurs plutôt issus des 2 autres collèges. Les questeurs vont assumer le contre-sein des dépenses auprès du président. Donc c'est à eux véritablement de veiller à ce que les dépenses soient organisées dans la bonne direction et qu'il y ait une régularité des choses. Le fait de mettre 2 vice-présidents et 3 questeurs, il y a forcément un des questeurs qui sera issu du collège du président. C'est dans ce sens que nous avions nous proposé que ce soit plutôt les questeurs qui soient l'organe de contrôle, étant donné qu'il y a, au moment de l'engagement des dépenses, il y a une vérification par les questeurs, une obligation du contre-sein des questeurs. Je comprends que vous souhaitiez, et nous sommes dans la même philosophie, mais c'est en termes du choix de contrôle des dépenses, en termes d'opportunité. Sinon, on va se retrouver avec le président et un des questeurs issus de son même collège. Il est préférable qu'ils agissent véritablement sur cette situation-là. D'autre part, je vous rappelle que les questeurs, il est prévu une indemnité. C'est en ce sens. Mais il est vrai qu'il faut également, vous avez raison de le souligner, qu'il y ait une répartition équitable des membres du bureau. Mais au lieu que cela se fasse sur les vice-présidents, que ce soit surtout au niveau des questeurs qui soient issus des 2 autres collèges, pour permettre un contrôle en interne des dépenses engagées par le président. Merci, Monsieur Jean-Christophe Bussou. Merci, Monsieur le Président. Petite question à notre ministre. Quelles dispositions existent au sein de l'article 16 et qui permet effectivement d'obliger à ce que les questeurs soient issus des 2 autres collèges qui n'est pas le collège du président? Monsieur le ministre. C'est tout le sens que je souhaiterais au titre de l'amendement, que l'amendement aille jusqu'au bout. Il est vrai que dans la proposition ici, il n'avait pas été prévu ça, mais il y avait été pensé que les 2 questeurs seraient naturellement élus. Et c'est vrai qu'il vaut mieux le préciser.
Mais au lieu que ce soit les trois vice-présidents, ou trois au niveau de la vice-présidente, plutôt au niveau de la questure. Et là, on peut préciser qu'au niveau de la questure, les deux représentants soient issus des deux collèges différents de celui du président. Madame Armelle Merceron. Merci, Monsieur le Président. Bon, nous avons entendu les arguments de Monsieur le Ministre, mais bon, d'une part, je ne crois pas que parce qu'il y ait un troisième questeur, les finances du CESC soient remises en question, hein, parce qu'on peut discuter alors à ce moment-là plus généralement du montant des indemnités. Et d'autre part, je constate qu'il n'était pas prévu d'amendement pour envisager que, à l'article concernant la question, on puisse l'écrire. Donc, je ne sais pas si ça avait été vraiment pensé à l'avance. Et le troisième point que je voulais évoquer et qui explique notre amendement, c'est que si on ne retient pas l'idée qu'il y ait un équilibre de trois à chaque fois pour chacune des fonctions, c'est-à-dire présidence plus deux vice-présidents, trois questeurs, trois présidents, trois secrétaires, notre proposition qui vient après d'un système tournant ne marche plus. Donc, pour nous, si on ne retient pas cet amendement, forcément, tout ce que nous proposons après pour maintenir la présidence tournante et ainsi qu'un bureau tournant pour qu'il y ait systématiquement des mouvements organisés, c'est notre conception, eh bien, si ce point n'est pas adopté, le reste tombe. Donc, nous ne pourrons voter que contre pour cet amendement et contre un autre choix qui serait fait. À titre de commentaire, je dirais qu'après consultation de la loi organique, il me semble bien que le législateur a voulu que le président du CSC soit élu. Et donc, la pratique d'une présidence tournante ne peut résulter que d'un accord de convenance à l'intérieur même du CESC, mais ne saurait être formalisée, à mon avis, dans le cadre de sa réglementation. Ce serait, à mon avis, illégal, ou tout du moins contraire aux dispositions de la loi organique, puisque c'est une précision de l'article 150 de notre loi organique. Le président est bien élu. Mais cela n'empêche pas, Monsieur le Président, on peut très bien imaginer un système d'élection avec plusieurs candidats issus, c'est déjà arrivé dans le passé, issus d'un même collège, et l'élection se fait à ce moment-là en toute liberté et conformément à la loi statutaire. Ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Sauf recours, Monsieur Jacques Ibrion. Oui. Dans ces conditions-là, il n'y a même plus besoin d'introduire l'idée d'élection, puisqu'on sait de quel collège va être issu le président. Donc on attend chacun son tour. Madame Nicole Bouton. Oui, merci, Monsieur le Président. Concernant cet article 16, à la suite du Tarouéla, je vais présenter en fait quasiment le même type d'amendement. Je ne partage pas tout ce que vous proposez, mais par contre, sur la répartition des postes, ma proposition est la même. Et l'amendement que je vais présenter propose notamment qu'il y ait une répartition à part égale de la représentation de chaque collège au niveau des postes du bureau. Et si on retient ce que vous proposez, Monsieur le Ministre, effectivement, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à ce que chaque collège soit représenté au niveau présidence, vice-présidence, questeur, secrétaire, et quelle pourrait être la formule, sinon. Ça va être compliqué. Monsieur le Ministre. Qu'il y ait effectivement au niveau du bureau une répartition égale, ça peut tout à fait convenir, c'est ce qui serait souhaitable, mais également qu'il y ait un contrôle de l'ordonnancement des dépenses auprès du président par ses questeurs. Toute la question est de savoir si c'est deux vice-présidents, trois questeurs, ou plutôt deux questeurs, pour empêcher justement que le troisième questeur soit issu de la situation du même collège que le président. C'est en termes plutôt de contrôle et obliger que les questeurs soient issus de collèges différents, pour justement qu'il y ait un véritable contrôle au niveau des dépenses engagées par le président. Car il a l'obligation
de faire co-signer les actes par les questeurs. Et je crois que, bon, de toute façon, le Tavouera a clairement exprimé sa position. Il s'agit d'une suite logique sur la présidence, la présidence tournante. Moi, j'y vois plutôt une situation de contrôle des actes du président. D'autres interventions, Madame Armel Mercerand. Oui, Monsieur le Président, moi je m'inquiète un peu de la façon dont le ministre met en doute la moralité et la conscience des futurs conseillers du CESC et qui induit, d'après ce que je comprends, que parce qu'on appartiendrait au même collège, on pourrait fermer les yeux sur certaines choses. Non, je pense que. Et je voudrais réaffirmer notre confiance dans les anciens membres du CESC ainsi que dans les futurs. Et nous ne doutons pas que, quelle que soit leur appartenance, ils soient toujours des gens parfaitement honnêtes et respectueux des règles. Merci. Madame Nicole Boutou. J'étais au départ effectivement favorable à la présidence tournante. Il y a des arguments qui ont été développés et surtout une consultation auprès de certains membres du CESC où effectivement l'avis est partagé, élection, présidence tournante. Mais sur la composition du bureau, il me semble plus facile de prévoir une représentation à part égale dans les trois collèges en ayant une composition, trois questeurs, trois secrétaires, et trois assesseurs avec deux vice-présidences, c'est-à-dire l'amendement qui est présenté par le Tahouira, sur le plan ne serait-ce que sur le plan rédactionnel. Merci. Monsieur le ministre. Dans la mesure où cela, le véritable débat, c'est la présidence tournante ou pas. Bon, il est vrai, je ne veux pas jeter l'opprobre sur le président. Nous sommes dans la situation maintenant où il y a partout le contrôle des dépenses engagées. C'est également pour mettre cette situation, parce qu'il y a une incidence financière, c'est vrai qu'elle peut être absorbée, mais la vraie question qui se pose sur la répartition des sièges au bureau, c'est la suite, c'est la présidence tournante ou pas. C'est cela. Donc je peux bien comprendre qu'au titre de cet amendement, cela puisse passer, mais par la suite conviendra, et Mme Merceron a clairement rappelé, le concept qui est donc prévu par le Tawera, c'est pour aboutir à la présidence tournante. Et c'est là où nous avons une divergence. L'on peut retenir cet amendement dans ce sens, la suite se fera autrement. Merci. D'autres interventions, Monsieur Noa Tétouani. Oui, Madame Bétini, Madame Fatalehaou, Moho et Yorana. Si je comprends bien, Fatalehaou, c'est que pour vous, les deux questeurs vont jouer un rôle seulement de contrôle. De contrôle uniquement, parce qu'ils engagent, la responsabilité. Mais dans notre vision à nous, c'est que il faut qu'il y ait trois questeurs sur les trois collèges qui puissent contrôler. Non seulement ils ont un rôle, ils engagent la responsabilité, mais il y a les trois collèges peuvent aussi surveiller les dépenses aussi. C'est dans ce sens-là. Pardon. Merci. Sauf qu'il faut quand même rappeler qu'il s'agit bien d'un contrôle d'opportunité, puisque dans les articles qui vont suivre, on va rencontrer le contrôle des dépenses engagées qui, à ce moment-là, va se rapporter à un contrôle de légalité des dépenses. D'autres interventions, Madame Armel Mercerin. Merci, Monsieur le Président. Je retiens l'argument de Nicole Boutot tout à l'heure. Si on retient cette proposition, et si vous admettez que le bureau doit être représentatif des différents collèges, là, il n'y a rien du tout qui le garantisse. On pourra imaginer à la limite que les 12 membres du bureau soient les 12 du même collège, et même si on rajoute un peu plus loin que les deux questeurs ne doivent pas être du même collège que le président, on pourrait avoir 10 membres du même collège que celui du président et les deux autres. Tandis que notre système a l'avantage d'instaurer une présidence tournante, et on a un amendement qui vient un peu plus loin, qui exprime bien que nécessairement
il y a présence de chacun des collèges et un équilibre entre les trois. Monsieur le ministre. En ce sens, l'amendement de Madame Nicole Bouteau est davantage plus précise. Parce qu'elle rappelle le principe de composition des membres du bureau appartenant de manière égale aux trois collèges. Et là, je comprends mieux. C'est beaucoup plus complet. Vous le Taouira se positionne en disant il faut trois vice-présidents et deux questeurs, ou plutôt deux vice-présidents et trois questeurs. Sans plus, il n'est pas rappelé la règle de la situation donc de répartition égale. C'est vrai, peut-être que ça viendra pas à la suite. C'est toute la difficulté de discuter d'un amendement ponctuel. Mais je rappelle encore, si c'est pour aboutir à la présidence tournante, nous avons des visions différentes en la matière. C'est tout. Monsieur le Président. Madame Armelle Mercer. Oui, merci. Je précise que l'amendement numéro 9, qui porte toujours sur l'article 16, précise bien ce que vous indiquez à chaque renouvellement du bureau, etc., etc. Donc, en fait, on a la même vision. Ça vient après, oui. D'autres interventions, Monsieur Jean-Christophe Bissou. Merci, Monsieur le Président. Je crois que cette discussion porte effectivement sur le fait de savoir si nous souhaitons une présidence tournante, et y compris sur la composition des autres fonctions au sein du bureau, ou si nous souhaitons figer les fonctions de président ou de vice-président et autres fonctions du bureau, puisque tel que c'est rédigé dans cet article, nous pourrions avoir pendant 25 ans le même président du CESC, n'est-ce pas? Oui, rien ne l'interdit en tout cas au niveau de cet article. Et je ne pense pas que le législateur, lorsqu'on parle du législateur, y compris bien sûr des élus polynésiens qui ont réfléchi au statut pour introduire la création du CESC, qu'on ait souhaité en faire, je dirais, une structure avec des gens qui vont imprégner de leur personnalité, notamment cette institution. Je crois que ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une institution qui devra se positionner sur des questions économiques, sociales et culturelles, et non pas intégrer, je dirais, cette dimension plus politique de personnalités qui vont s'installer à la présidence de ce conseil, et qui vont imprégner leur politique sur le fonctionnement même de cette institution. Voilà, donc nous faisons partie effectivement de ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait une présidence tournante. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas des personnalités de tel ou tel collège qui puissent officier à des postes de responsabilité, comme ça a été le cas jusqu'à présent, et manifestement ça n'a jamais posé de problème. Merci, Monsieur Jacques Brion. Le dispositif qui met en place les trois collèges obligera les prétendants à la présidence à composer s'ils veulent avoir la majorité. Il est impossible pour un seul collège de vouloir acquérir la majorité et de se faire élire. Prenons le collège numéro 1, ils ne sont que 17. Comment dans ces conditions pouvoir conquérir le bureau et la composition du CESC, sachant qu'il y a deux autres collèges à représentation égale. Donc nous sommes véritablement dans une dimension où l'alternance est liée aux équipes et à la capacité de ces équipes à proposer un certain nombre de personnes issues de chaque collège. Ce qui nous préoccupe dans cet amendement, c'est dans l'exercice du contrôle. Nous estimons, peut-être à fort juste, à titre de précision, que les questeurs, effectivement, doivent venir des autres collèges dans lequel le président n'y est pas. Mais en ce qui concerne l'alternance, nous avons la garantie dans le dispositif que nous préconisons, que le gouvernement préconise, que les équipes qui se présentent sont démocratiquement élues. Merci. D'autres interventions, Madame Iriti. Oui, merci, Monsieur le Président. Pour suivre la logique de Monsieur Brion, lorsque nous prenons donc le principe de l'accès tournant, il est vrai que nous donnons plus de chances quand même à chaque collège de pouvoir présenter un candidat. Je veux dire, là aussi, quand je parle par exemple du collège numéro 3 aujourd'hui, si nous adoptons donc le principe de l'accès tournant,
ce sont les représentants du collège 3 qui doivent désigner la personne, qui donc, en tout cas là où les personnes qui donc vont postuler pour la présidence. Ça donne une ouverture, je veux dire, on donne plus de chance à chacun de pouvoir prétendre, ou en tout cas être à ce poste-là. Merci. Monsieur le ministre. Je crois que c'est le débat de fond, en fin de compte. Hein. Donner plus de chance parce qu'on a fait une tournante. Non. La règle de l'élection directe donne plus de chance. Tout le monde se trouve à égalité. Parce qu'en réalité, avec cette présidence tournante, il faudra attendre les suivants, les mandatures suivantes. Oh, vous avez, vous, la possibilité, c'est de la compétence de l'Assemblée, maintenant, de recomposer. C'est de votre compétence. La règle directe de l'élection, et comme l'a rappelé M. Jaffi Briand, il faut véritablement être porté par la majorité des membres pour y accéder. Aucun collège ne peut prétendre, aucun candidat ne peut, dès l'installation du CEC, se prévaloir d'avoir une vision sur 25 ans. D'abord parce que l'Assemblée peut recomposer le CEC au terme du mandat. Ensuite, il doit aller chercher les voix qui le soutiennent. Bon, la réalité, c'est une des règles démocratiques, l'élection en la matière. Maintenant, si on veut réserver, parce que c'est ça la réalité, je pense que là-dessus, c'était le souhait au niveau du gouvernement d'ouvrir véritablement la possibilité à tous les membres de choisir leur président au titre de l'institution. Non, mais pour compléter ce que vient de dire le ministre, ça va même plus loin. Le législateur a voulu réserver à tous les candidats de faire acte de candidature. Et en fait, c'est l'ensemble des membres du CEC qui peuvent faire acte de candidature. Donc, en dehors des collèges qui peuvent présenter leurs candidats, à l'image de ce qui s'est passé ici, tout membre du CEC peut faire acte de candidature. Et c'est bien en ce sens que le législateur a bien voulu que le président du CEC soit élu et non pas enfermé, embrigadé dans un système de roulement au fur et à mesure que le mandat s'écoule. Madame Armel Merceron. Je n'ai pas tout à fait la même interprétation de la loi statutaire que vous. Je n'ai pas vu qu'il était écrit que c'était nécessairement une élection libre. J'ai vu que c'était écrit à bulletin que c'est une élection qui a lieu à la majorité. Mais je voudrais quand même attirer votre attention sur un point. Il y a trois collèges. Le collège qui me paraît le plus important à promouvoir, parce qu'il en a besoin pour qu'il y ait une vraie expression de toute la réalité économique et sociale et culturelle de la Polynésie, c'est le troisième. Pourquoi ? Parce que dans le premier et dans le deuxième, nous avons affaire à des partenaires sociaux qui ont l'habitude de se voir, qui se voient à la CPS, qui se connaissent depuis longtemps et qui se voient dans le cadre des négociations en droit du travail, salarial. Et il y a fort à parier que si on laisse une élection libre, il y aura beaucoup plus souvent un représentant des salariés ou un représentant des employeurs, donc du deuxième collège, je dirais, que du troisième. Parce que les personnalités sont, dans le troisième, beaucoup plus nouvelles. Vous voulez qu'il y ait, et nous sommes mis d'accord aussi sur cette idée qu'il fallait des personnes des archipels, des gens moins connus, du 109, des personnes qu'on n'entend pas souvent. Eh bien, je crains fort que si on n'institue pas cette règle tournante, et c'est un petit peu ce que Théoura et Ruti voulaient dire tout à l'heure, que tout le monde ait sa chance, eh bien, c'est vrai, on modifie un petit peu la chance, on accroît la chance avec la présidence tournante que le troisième collège ait la possibilité d'exprimer sa voix, mais il me semble qu'on passerait à côté de cette possibilité si on laissait l'élection complètement libre. Et c'est pour cela que nous tenons à cette présidence tournante du 109. D'autres interventions, Monsieur Jacky Briand. Ça y ressemble à s'y méprendre à cette fameuse prime des 33%. Madame Emalgon. Oui, merci Président. Moi, à entendre les échanges ce matin, moi j'ai une question à poser à Monsieur le Ministre. La pratique aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui,
c'est la présidence tournante. Est-ce que cette pratique a posé des difficultés particulières et a empêché le fonctionnement du CESC? Ça, c'est ma question. Et je rappelle que dans le rapport du CESC de mars 2005, un consensus s'est dégagé sur ce principe de la présidence tournante. Monsieur le ministre. Dans la pratique, sur les dernières années, avec la tournante, il s'est trouvé que les membres du CESC n'appartenant pas justement au collège appelé à proposer le président allaient à l'élection sans conviction. C'est cela aussi la réalité. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le choix désigné par le collège. On l'a constaté. Mais l'élection se faisait. C'est fait. Mais sans conviction. C'est aussi une réalité. C'est l'une des réalités de ce système. Voilà pourquoi il nous a semblé qu'à ce moment-là, il fallait permettre l'expression de tous les conseillers économiques et sociaux d'aller devant leur pair et de recueillir le suffrage pour qu'il soit véritablement le président de l'institution et non pas par obligation, je dois voter parce que c'est leur tour, il y a un seul candidat. En plus, on est arrivé à la situation où, disons que le collège est plutôt majoritairement pour tel candidat et apparaît un candidat, certes issu du collège, mais de manière individuelle. C'est d'ailleurs ce que prévoit l'article 14 dans son deuxième alinéa. Il est permis aux candidatures individuelles d'y aller. Alors, ça a quelque peu des fois divisé. Surtout dans la pratique, c'est voter sans conviction. C'est ce qui s'est passé. Parce que le choix porté par le collège ne satisfaisait pas les autres membres. Mais du fait que cette élection, et que c'est le collège qui a droit à présenter, eh bien, on a des élections comme ça. Monsieur Noir, répondu. Patrick, je pense que vous avez une position sur une candidature d'un représentant ouvert aux trois collèges. C'est votre position à vous. C'est-à-dire que s'il y a un renouvellement, ce sont les trois collèges qui se prononcent. Par contre, nous, on répète encore, on est pour une présidente tournante. Pourquoi on veut une présidente tournante? Parce que il se pourrait qu'il y ait des dérapages. Pas très bien. Admettons, prenons l'exemple. Vous avez trois collèges. Les deux premiers collèges s'entendent à chaque renouvellement pour leur candidat. Et bien le troisième collège sera lésé, ne sera pas représenté. À mon avis, si vous voulez vraiment que le candidat, le représentant qui se positionne en tant que président du CESC soit élu par tous les représentants, parce qu'il y a une volonté, peut-être qui sort de tous les différents corps pour voter pour cette personne, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, Patrick, il faut supprimer les collèges. Il ne faut pas mettre de collège dans ce cas-là. Il ne faut pas mettre dans ce cas-là. Le président est élu par tous les représentants. Votez, quoi final? Si on vous demande de mettre quelques éléments juridiques pour mieux cadrer cette présidente tournante, c'est pour éviter tous les dérapages. Alors, allez jusqu'au bout, Fatrihaou, si vous voulez poursuivre votre logique, supprimez les trois collèges. Point final. Madame Imalgo. Merci. Eh bien, monsieur le ministre, j'ai le regret de vous dire que vos explications ne me conviennent pas du tout. Donc, si je suis votre logique, enfin, vos explications, la présidence tournante, c'est une obligation sans conviction, voilà, et ça ne satisfait pas les autres. L'élection par les pairs, ça voudra dire aussi
qu'il y aura toujours, comme disait ma collègue Armel Mercerand, un collège qui va rester sur les carreaux. À chaque fois, il y a un risque qu'un collège n'accède pas, et en particulier le collège numéro 3, n'accède pas à des fonctions de bureau ou de la présidence. Moi, je soutiens le principe de présidence tournante, laisser la chance à chaque collège d'accéder à ces différents postes. Votre système d'élection par les pairs, il y aura toujours un collège sur les carreaux. Madame Iriti. Oui, je suis aussi un peu surprise de la réponse de notre ministre lorsqu'il dit qu'il y a un manque de motivation lors des élections des présidents. Vous qui avez siégé pendant plusieurs années au CSC, je pense que nous y sommes parce que nous voulons donc apporter notre avis dans le secteur que nous défendons. Que ce soit un tel ou un tel comme président, la limite, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est qu'on puisse défendre nos idées. Et pourquoi pas, et je reviens encore à ce que j'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas donner la chance à tous. Parce qu'effectivement, ce sera toujours les mêmes qui reviendront à la présidence du CESC. D'autant plus, et là encore, je voudrais insister, donner la chance, oui, et au collège numéro 3. Puisque ces personnes-là n'ont pas la chance de siéger dans d'autres organismes, comme vient de citer Armel Mercerand, très souvent, même lors des commissions de travail, là où je voudrais aller un peu plus loin, lors des commissions de travail, très souvent, ce sont toujours les mêmes qui interviennent parce qu'ils ont beaucoup plus d'éléments, d'informations, c'est très bien, mais laissons aussi exprimer les autres à ce moment-là. Merci. À titre de commentaire par rapport aux deux interventions précédentes, et en dehors du contexte purement du contrôle financier, je vais vous donner lecture de l'article 150 de la loi organique. Cet article dit ceci, et c'est clair, le Conseil économique, social et culturel élit son président. Donc je me suis assuré de savoir si c'était les collèges qui élisaient, on me dit non, ce sont tous les membres du Conseil économique et social. Donc il s'agit bien d'une élection, le législateur veut que comme nous, l'ensemble des élus, des représentants du Conseil économique et social, désignent son président par voie d'élection. En conséquence de quoi, tous les candidats qui sont dans l'hémicycle peuvent faire acte, enfin tous les représentants peuvent faire acte de candidature. Alors forcer un collège à présenter un candidat et obliger les deux autres collèges à voter pour ce candidat, moi je dis que c'est un vote déguisé. Et à ce moment-là, ce serait contraire et illégal à la loi organique. Madame Lucette Tairo. Oui, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Ministre et tous les représentants, mes salutations de ce matin. Je voudrais revenir sur la particularité, justement, et si la particularité de ce vote, et notamment de cette désignation par collège, ce que je soutiens complètement, il vaudrait mieux que chaque collège puisse au moins avoir sa chance, comme le disaient mes collègues, de pouvoir présider une institution de cet ordre. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, pour ma part, on a tendance à vouloir voir l'Assemblée avec nos différences politiques, ce qui est le jeu même de l'Assemblée. Et c'est ce qui est convenu. Par contre, nous qui sommes ici et qui aurons donc la chance de voter ce texte, je voudrais faire appel quand même à ce qui ne nous divise pas. Ce qui ne nous divise pas, c'est qu'en fait, nous voulons quelque chose, au moins fait, qui soit un respect des institutions et deux, que ça se passe le plus démocratiquement possible. Alors, si vous permettez, sans vouloir être naïve, Monsieur le Président de l'Assemblée, moi, dans la compréhension que vous dites de l'article que vous venez de lire, je ne crois pas que ça soit en opposition avec ce que propose notre groupe, dans la mesure où, d'une manière démocratique, qu'est-ce qui empêcherait, et c'est ce qui fait tout le chic, en fait, du CESC, c'est que, ben oui, sa particularité, je ne veux pas parler d'originalité, parce que je crois qu'on a dépassé ce stade, il faudrait peut-être qu'on grandisse davantage, c'est de permettre, je crois qu'on peut se permettre de se le dire quand même ici à l'Assemblée, que l'on peut permettre effectivement à des personnes, puisque nous voulons qu'il puisse y avoir d'autres idées, nous voulons qu'il puisse y avoir un brassage de l'oxygène un peu plus dans notre vie de tous les jours. La politique, c'est quoi? C'est simplement gouverner.
Est-ce qu'on ne peut pas, à ce moment-là, et ça va différencier du gouvernement, ça va différencier de l'institution assemblée et le CESC à ce moment-là? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de pouvoir, certes, favoriser que ce troisième collège, une fois au moins dans sa mandature de 4 ans, puisse présider cette institution? Ça ne peut que nous enrichir. Je pense que cette idée va plus nous rapprocher que nous diviser, au-delà de nos clivages politiques. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, c'est bien ce que je disais précédemment. On peut le penser, on peut le pratiquer, mais il ne faut pas l'écrire, parce qu'on serait dans l'illégalité. Monsieur le ministre. Président, il a également été dit que dans la réflexion, dans l'exposé, c'est la peur d'avoir le troisième collège complètement écarté. Et là encore, c'est la réalité au niveau du CESC. Il y a plus de tensions entre le premier et le deuxième collège. C'est le troisième collège qui fédère. C'est ça la réalité. Parce que justement, les représentants de ces deux premiers collèges se voient déjà dans des situations tendues ailleurs. Lorsqu'ils viennent au CESC, ils restent sur leur position. Et c'est l'une des réalités. Et c'est le troisième collège qui arrive à fédérer. Et cela peut aller jusqu'à les membres du bureau. C'est cela la particularité du CESC. Ne croyez pas que les premiers et deuxièmes collèges vont pouvoir facilement s'entendre. Ils se battent assez dans d'autres structures extérieures. Ils reportent leur situation au CESC et c'est bien le troisième collège qui fédère et qui arrive à imposer au premier et au second. Et c'est donc, en réalité, dans cette situation-là, permettre véritablement. La relation va se faire entre le premier et le troisième ou le deuxième et le troisième, c'est ça. Mais à partir de là, regardez la composition, y compris du premier, nous avons assez de diversité déjà pour voir comment les choses pourraient évoluer. C'est véritablement le troisième collège. Donc je ne me fais pas de soucis pour le troisième collège. C'est lui qui sera porteur d'apaisement sur les deux autres. C'est l'une des réalités au CESC. Monsieur Jean-Christophe. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'on comprend bien le discours du ministre et qui soutient donc la version qui est proposée par le gouvernement. Mais je crois que, d'abord, il faut que ce débat soit dépassionné. Et pour permettre un dépassionnement du débat, il faut revenir sur la position de cette institution au regard du fait de conserver une démarche cyclique sur l'occupation des fonctions de présidence et autres fonctions du bureau de cette institution. Vous avez suivi tout cela de près, et je sais que nous avons aussi des amis syndicalistes, membres du CESC qui sont présents à l'occasion de cette discussion que nous avons. Mais nous avons quand même un rapport qui a été voté par 25 voix sur 28, donc avec une très large majorité, par les membres du CESC qui disent ceci. Et ça va exactement, malheureusement je dirais, en sens contraire de ce que vient de nous dire le ministre. Il dit ceci: l'avantage de cette présidence tournante est de soustraire le CESC aux pressions internes et externes que pourraient subir les membres lors de l'élection du président et d'assurer par là même une certaine sérénité au sein de l'institution. Vous voyez, effectivement, c'est pas du tout dans cet esprit que vous nous aviez confié votre réflexion tout à l'heure, à savoir qu'il y ait une motivation interne. Ben, ce n'est pas le souhait des membres du CESC qu'il y ait cette motivation dont vous parliez, bien au contraire, leur souhait c'est plus de sérénité. Monsieur Noa Tétonu. Malo Petit, justement vous avez cité l'article 150. Dans cet article, article 150 de la loi organique, dans cet article, il n'est pas précisé le nombre de vice-présidents, de questeurs, etc. Par contre, le Conseil, le CESC, adopte son règlement intérieur. Et dans son règlement intérieur, normalement, on devrait trouver le nombre de vice-présidents, etc. Monsieur le Président de l'Assemblée, l'article que vous avez cité cadre l'environnement institutionnel du CESC.
C'est à nous ici de détailler les modalités. Marou. Merci. Madame Armelle Merceron. Oui, je voudrais. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aller dans le sens et poursuivre ce que Noa Tetuanui disait. Moi, je lis simplement à l'article 150, le Conseil de la loi statutaire, le Conseil économique, social et culturel élit son président. Point. Point. On ne dit pas comment il faut faire. Mais nous, Assemblée, nous avons la responsabilité, d'après la loi statutaire, à l'article 149, des délibérations de l'Assemblée de la Polynésie fixent un certain nombre de choses, et en particulier les règles d'organisation et de fonctionnement. Donc, je dis que c'est à nous de décider, c'est notre responsabilité, et nous n'avons pas à être liés par ce que l'on pourrait imaginer qu'il y a écrit derrière les mots de la loi statutaire. Et nous proposons, pour garantir l'absence de politique, le véritable échange, l'émergence de nouvelles personnes, la promotion justement de ces nouvelles personnes qui viendraient notamment de ce troisième collège, mais pas seulement, nous pensons que le CEC est un excellent vivier, un tremplin, et nous l'avons vu du reste dans la vie politique et sociale, pour des personnes qui viendraient là trouver le lieu d'expression et d'affirmation de leur engagement au service du développement économique, social et culturel de la Polynésie. Et il faut, c'est le seul endroit où on peut trouver cela, hein, et nous pensons qu'il faut préserver ce brassage, il faut préserver cette possibilité de diversité d'expression, et surtout il faut écouter l'expérience des membres du Conseil économique, social et culturel. C'est pour ça que nous réaffirmons notre proposition de maintenir cette présidence et responsabilité tournante. Oui, mais la problématique qui va se poser, quand on est dans une situation de présidence tournante, comment peut-on à la fois accepter le principe d'une présidence tournante et nous obliger à respecter les dispositions de l'article 50. On fait des élections comment? Quand on sait que le premier collège a présidé pendant les deux premières années ou la première année, et ensuite on va passer à la tournante, on fait une élection un peu bâtarde pour dire que bon, on va quand même voter, mais on sait que le deuxième collège, c'est lui qui va présider pendant... Et ensuite, la troisième, au cours de la troisième année, on refait une élection un peu pour la forme, mais c'est interdit, ça. Sauf recours, on peut se mettre d'accord pour une mise en place d'un système tournant. Alors, j'en veux pour preuve que nous avons vécu cette expérience au niveau des communes. Je vais citer l'exemple d'un syndicat qui s'appelle le syndicat Europa, qui regroupait trois communes et qui s'occupait du problème d'exploitation de l'eau et notamment de la station de pompage de Punaru. Ils se sont entendus, les maires se sont entendus pour mettre en place une présidence tournante. Ça a marché pendant 3 ans. Et après, ben celui qui était garant du respect de la légalité, donc en l'occurrence le Tabanahou, est revenu au milieu de cette affaire pour dire c'est interdit. Vous ne pouvez pas faire de présidence tournante. Que vous entendiez entre vous pour faire une élection et comme par hasard et en toute coïncidence, vous relayez au fur et à mesure des élections, ça vous regarde. Mais faites une élection. Il n'y a pas de présidence tournante, automatique. Madame Armelle Merceron. Monsieur le Président, j'entends bien ce que vous dites, mais la grande différence, c'est que nous sommes une assemblée élue. Il y a une loi organique qui dit que c'est nous qui devons choisir la façon dont est organisé et fonctionne le CESC, et il y a aussi les modalités d'élection du président. La seule chose qui est importante, c'est qu'il est écrit que le président est élu par le Conseil économique et social et culturel. Et
Même si on a le principe d'une présidence tournante, rien n'empêche que si une année donnée, c'est tel collège qui est supposé, dont doit être issu le président, il puisse y avoir parmi les 17 représentants de ce collège plusieurs candidatures. Ça, c'est tout à fait possible. L'émulation, elle est là. Mais on est à deux niveaux. On garantit la variété. Mais rien n'empêche que parmi les 17 personnes, il puisse y avoir plusieurs candidats. Voilà, sauf que on interdirait justement plusieurs candidats et qu'on obligerait un seul candidat. Moi, ce que je propose pour éviter de poursuivre, c'est de donner donc la parole à Nicole Boutot pour clôturer la discussion et ensuite on va passer au vote. Parce que sinon, on risque de traîner en long. Vous avez encore sur cet article plein d'amendements derrière. Alors, si vous voulez qu'on les examine, il faudrait qu'on adopte ou qu'on rejette qu'on se prononce sur le premier amendement. Madame Nicole Boutot. Oui, merci, Monsieur le Président. Sans vouloir rentrer dans l'interprétation de la loi organique, qui effectivement pourrait porter interprétation, puisqu'elle ne dit que le Conseil économique et social élit son président, on pourrait interpréter. Moi, je voudrais juste qu'on en revienne à la vision qu'on souhaite, enfin, la place qu'on souhaite donner à cette institution, et c'est pour ça que, finalement, et à l'instar aussi de ce qui se fait en Nouvelle-Calédonie et au niveau national, il me semble que si on souhaite aussi donner cette place, cette véritable place d'institution au CESC, eh bien, pourquoi ne pas se mettre d'accord pour que la personnalité qui va être élue soit issue d'un consensus de l'ensemble des membres du CESC, sans les obliger à ce que ce soit collège par collège. Il me semble que l'importance de cette institution mérite que le président ou la présidente qui en sera issue soit représentatif de l'ensemble des composantes du CESC. C'est aussi une position qui se défend. Très bien, donc je vais mettre au vote donc l'amendement numéro 7 présenté par le groupe Tahuera. Donc ceux qui sont pour. Ceux qui sont contre. 28 voix contre. Donc l'amendement est rejeté. Je vais vous proposer. L'amendement est neutralisé, si vous voulez. S'il vous plaît. Donc, il n'y a pas d'amendement. Monsieur le Président, voilà. S'il vous plaît. 28 pour, 28 contre. Plus 28, moins 28, ça fait 0. Donc, l'amendement ne passe pas. On est bien d'accord. Monsieur le Président, il faut retourner à l'école. Là. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est de suspendre la séance. On va revenir ensuite sur l'article 16. Et je vais demander donc à la présidente du groupe Tahuera de me rejoindre dans mon bureau pour voir avec le président du groupe UPND la confrontation de nos deux amendements sur l'article 6. Monsieur le Président, Madame Armelle Merceron. C'est lié au vote, là. Je voudrais savoir si Monsieur Sommers a bien déposé procuration. Oui. À Madame Kaline Persegal. D'accord. Merci. Monsieur le ministre. Je souhaite qu'on puisse, il y a un autre amendement sur cet article, notamment présenté par Madame Nicole Boutot. Il est vrai qu'elle a une partie de ces propositions-là. Mais elle est plus complète dans sa proposition d'amendement. Nous allons la présenter tout de suite après, oui. D'accord. Ouais. Donc la séance est suspendue. La séance est reprise. Donc nous en avons terminé avec l'amendement numéro 7 qui a été présenté par le groupe Tahuera. Donc je vais proposer à Madame Nicole Boutot de bien vouloir donner lecture de son amendement, un amendement qui porte sur la thèse. Pardon? Est-ce que ça peut...
possible de... Donc, comme nous avons d'autres amendements sur cet article 16... Je vais faire le tourniquet. Remplacer les dispositions de l'article 16 du projet de texte par « Le bureau est composé de 12 membres appartenant à part égale au collège, le président, deux vice-présidents, deux questeurs, deux secrétaires et trois assesseurs. Les membres du bureau sont élus pour 2 ans. L'élection a lieu à bulletin secret. La majorité absolue des membres en exercice est requise aux 2 premiers tours. Au 3e tour, la majorité relative suffit. » En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu. Les membres du bureau sont rééligibles. Merci. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, donc la discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole? Madame Nicole Boutot. Oui, il est donc proposé par cet amendement de modifier l'article 16 afin de prendre en compte une représentation égale des 3 collèges. Au sein du bureau du CESC. Cette représentation n'apparaît pas et n'est pas garantie par le projet de texte qui nous est soumis. Et par ailleurs, je propose également de regrouper au sein de cet article les modalités d'élection du bureau, comme ça va être le cas pour l'élection du président de l'institution. Merci. Merci. Donc, d'autres interventions sur ce projet d'amendement ? Aucune intervention. Donc, je vais proposer donc de passer au vote de l'amendement. Ceux qui sont pour, 30 voix pour. Ceux qui sont contre, 0 voix contre. Ceux qui s'abstiennent, 25 abstentions. Donc, l'amendement est accepté. Donc, je demande maintenant à la représentante du groupe Tahwera de donner lecture de l'amendement numéro 8, Madame Théoura Eriti. Alors, au 2e alinéa, les termes 2 ans sont remplacés par 16 mois. Donc, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc, la discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole? Madame Iriti. Je vais encore répéter ce qui a été dit ce matin. Cet amendement, conforme aux suggestions du CESC dans son rapport du 29 mars, prend en compte le principe d'accès tournant des collèges aux différentes fonctions du bureau. Ainsi, durant les 4 années de mandature, on procédera à 3 renouvellements du bureau, soit tous les 16 mois. Merci. D'autres interventions? Aucune autre intervention au titre de cet amendement. Monsieur le ministre. Merci, Président. Simplement rappeler à l'Assemblée qu'ils viennent d'adopter un amendement présenté précédemment qui porte le mandat des membres au bureau à 2 ans. Il y a donc là, par rapport à ça, un retour en arrière sur 16 mois. Merci. Madame Iriti. C'est effectivement pour cela que j'étais intervenue, donc avant l'intervention de Madame Boutot. Merci. Merci beaucoup. Plus d'intervention, donc je mets aux voix l'amendement numéro 8. Ceux qui sont pour, 23. Ceux qui sont contre, 30 contre. Ceux qui s'abstiennent, aucune abstention. Donc l'amendement est rejeté. Je vais maintenant demander toujours au groupe Tahwera de bien vouloir donner lecture de l'amendement numéro 9. Il a inséré un 3e alinéa rédigé comme suit. À chaque renouvellement du bureau, chacun de ces postes est attribué au collège classé immédiatement après celui dont est issu le membre sortant dans l'ordre défini à l'article 3 ci-dessus. Merci. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Madame Iriti, vous avez la parole. Donc là encore, on est toujours sur le principe de l'accès tournant. Et donc, c'est de donner la possibilité à chaque collège de pouvoir accéder donc, à chaque fonction du bureau. Et là, peut-être si je peux compléter donc, mon intervention. Ce matin, notre ministre nous parlait du 3e collège en tant que fédérateur.
ce qui voudrait peut-être dire donc que c'est, ce sont surtout des sages qui sont au sein de ce collège. Et là, je m'adresse à nous tous ici représentants. Tinauratato et tour eitemo feyarava ayane ora fetaya feya faapu hari in eita ti ara pritini tamato ya ehin arora mutimia irutoi tif anhor atatatu meti pro yeite overama motra harira yaha itani tatu inin heato et tour eiti feya yan hin heato rato i hari in eiti ti ara maruru. Maruru, Monsieur Jacques Ibrian. Netin, tayé man en tinéit fa hepoka. Eire tayé no te vihur aïti ti amar aïro tui ti tata e amu te te ti ara, men ar turait fa hepora, it pang atue, it eim hana, mat ore ya nito no man o. Ti tari tatu ti tuwa ti ore ra, iro tui ti upuar a, yenene tatu tawini ti ta ato ra, in eite te ti ara man o te tata tata te te, et Narutuite Fahipura, et puis il y a eu un peu. Maruru, monsieur Noatitoun. Parole prétendue. Ti fanhora, il y a une fanhora Fahipura. Il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps, Reni, Reni Ture. No te anira di tei no fa aura ho mi te pewe eri ro me piti ma tei ti te piti o te ni hetu mau fia na muoro te ie mau fia ro e hipa na rato fa tere e piti ma tei ti o tin a te piti o te tu a te mau fia e na rato e te pune kita ta te mu te mau fia na rato fa tere te mau fare to. Te mo fia nene ratou roi me titi ara o te pai mo te toru a e toru e man ma peiti. O tina muri mea ratou te vera ti te mo tātira. Te i toru o te tua te mo tātira no te pai no te metua. Hap ole te mo tamari ore ra ti te mo tātira no te pai no te tuaro nene ratou haramai. Tra te tawara prao te iepipu. Pite peue e tu no tatou e te tia mara to te ie mofia fatere nei. Roto ara te turu tu ara tua. Nenei te fifi ru amai. No te rape pro e tatou no te pro no te tia mara to tata no te fatere ra. Me me te ei pouro te ie mo tua nenei ta rato e fatere. Me nenei hoi te mea tatou e hiyo. O tupu me te mufi mea te mea tapuru he pā, tari hirahi me nā te ima, nā te ihuara tō mide tātātou. Te veri, hoi te mea ui te mātou ho e, ho e tia, no te pēno te mō mitua, hapa onet mō te mari. Maru. No tera mehi o tātou te mō mātai te hare mene, mi te peu e whaoti tātou te mhana. Me me te ea, mi te peu e hara tātou ne te feruri rā. Tā te whātere hau pro mea te pēpēu e vēsio ki a māra rote harātou pūroa, ne me te e whaore te e taru tua. Tā mātou e pro te pēpēu. Tua mātā mua te tua piri te tua taru, tātara rā tō taru. Tātara roi ara tō taru e vēsio no nā te pūro te piti mātaiti, vēsio te ti a māra rote harātou pūroa te tuma atira. Trai tā o tō whānhau rā, tā mātou rā e te ia. Nō reira, tūnahi a mei e, mi te pēpēu e tūtātou e taru tua, whai kiutu tātou e hoi tūā mātā mua nā tūmō whia rohepa, te piti o te tūā nā tūmō whia tiapu nei, whātere tūmō teite, e te tūro te tūā, te iemu me tūā re rātu imu tātīra no te pēr te tūā ro nene rātu whātere tō. Witi tātou te orar a, no te pēr no te whanhora no te tiara o pritini, nene hoi te mei e, mi te pēr hār tātou ni whanhora a te whenua te mahana, tiamatar a, mō whia rohepa, nāngai rau i ti ara apriteni. Mi te peu e muri mai ana, e tauhi ara te mao tume te priteni, nene aho te ie te ie mea te ie ti aho no te pēno te whia rohepa. Nene ono hui aha mani parhera.
Merci, Monsieur Jean-Michel Calson. Et Maruru Prititeni. Et tata mon nom. Yarido te prititeni. Et prititeni non te tatoara. Yapa yo et prititeni non te hoi pupu. Tratehin arohia. Atei. Apiti. Michururap et prohiara et automopro. Michururap et emut atarotot e tufa et toru. Emohumatra. Et peirato et terro et prititeni. Mon nom avo, ya, mitra. Et nous avons dit que nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Merci, M. Jacques Grillon. Je suis un peu de temps. 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 Je suis Nauto i fatermento dato finuero de truar attain. Nauto to i te fiai de te bahie, ai tara tu te hier tu te orara. I te mhana te pupu rata tu i te nun atata to tato. Te yarava ai, te fa apu, te animara. I te te firuri ai, to rato ti amara. Hoya hoye to te yarava hipa tama. Hoya hoye to te fatu hipa. Hoya to rato fai to ti amara. Ai tara tu tare de e tu te tai. Aïta da tuif ahiahiahia tu te tei. Te pupura rata tuiru tu torato rima. Atheira teine. Atheira teine. Eiru tui teine whanhora api. Te hin arone a tatu. Et ia turie i te rato e nene whanhoi te ora rauto tatu nun a. Yo maare. Fea pari te eta tatu e vet ure neti tiara. Ere de motomari. Ua i te rato e te whanhoi torato ora ra. Ua i te rato e te whapu. I te rato e nene whanhoi te tiara teira. Naro tu ite ni upu rata ma tu ite aturira, ewe hei ti kiamar ai rutu iratu, no te pati ti eifaro, ienen hei onai pahono iti mana awe, e tavini ona no te ta atuara. Maruru, Monsieur Noa te tonu. Ai te matau e, e paroura ke mo feia e huma. Ta matau hini arora, ke harera matau ni tra reini e turu tua. Ate matu e tua tapapara tratia i tona nea ni tratia ra aita. Te vere e turu tua. Tautou whanho ra, te whature ra matu tautou whature no tara mea, na outou tara whanho ra te e mahana. Te pepatoi, te pruru matu i outou, peruri metei, me metei, haren e te tei preti teini, utina tana tua, preti no te pēno te whea rau e hupa, veisho e muri mei ana, ki tei prititeni no te pēno te ke ie no te pēno te pitipa ia te emuwhia nā ratu te pūne ki te ata. Tahu tūne te whinua tō. O tūne tāna tua te ie mu metua. Toru yono te tua te mu metua pritino te muwhia tamari. Ore rā pritino te muwhia no te pēno te tuaro. Ke rino tā mātou hini alora. A te mātou e prune e tarata e tēne tāna hara ni tarati ala. Ai te roatu, ia pai tātou hurit parau. Parau āwharu no tātou. Tarara, maruru wharu rame preteni. Maruru noa, je dernière intervention, mon ami. Merci, monsieur le président. Effectivement, ça ne me plaît pas trop pour noter huma. Hein? Parce que, bon, aujourd'hui, on est là pour défendre, donc, nous représentons aussi au sein du CESC, mais notre logique n'était pas dans ce sens-là. C'était pour dire, pour éviter qu'il y ait toujours le même président pendant plusieurs années, pourquoi ne pas laisser la chance à chacun de pouvoir accéder à ce poste, que ce soit du premier, du deuxième ou du troisième collège.
mais éviter qu'il y ait un même président sur plusieurs années. Laissons la chance à tout le monde. Voilà, merci. Merci. Dernière des dernières interventions, Madame Imalgo. Et Maru Pritini. L'année où est prototatone et à Jacques Brion et à tout et pas où est ultimement profito. Et à tout mot à tout et tout à papa à votre preuve noté matututiara noté et papa touré api. Papa touré api. Il faut que tu aies un tout à ton finois. Et tu es roto. Et tu es papa touré api. Et à ti papa hi ai roto traia iravata totatu ne pritini ite o mene ite ene pepe o ite irava hanre peo na te momero e ma ite to na pritini i roto na fiat fan hor a te fa ite to himere na tatu te momero i ma ite hi te tumu ya tatu har me ine Tu as pas fait te parler non te yene pou matutu tiara au ete e touré api te piti e tra praue pahipora mata tu fauti tato net mon mero ma itihia et nuna te nera te imhana te ya auto te parhe te beda ta auto hi ora not fan hor ai te ene pu matutu tiarau tiaraia te tu atine rat umon oi ni se te mana o noa met te menari rat fan hor ata uto iman o e ta uto e fauti fa ore ia trana e turu tuara pu ora tu te ora ya tu eta pro maru maru ema je vais mettre au voile l'article l'amendement numéro 9. Donc ceux qui sont pour, 26 pour, ceux qui sont contre, 30 voix contre, ceux qui s'abstiennent, aucune abstention. Donc l'amendement est rejeté et je demande à nouveau aux représentants du groupe Tahwera de bien vouloir donner lecture de l'amendement numéro 10, dernier amendement de l'article 16. Merci Monsieur le Président, je sais que c'est peine perdue mais je continuerai quand même. Le troisième alinéa est rédigé comme suit. Les membres du bureau sont rééligibles dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent du présent article. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ceux qui sont pour. À l'unanimité. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole? Aucune intervention. Je mets aux voix l'amendement numéro 10. Ceux qui sont pour. 26 voix pour. Ceux qui sont contre. 30 voix contre, aucune abstention. Donc l'amendement numéro 10 est rejeté. Donc je vais demander au rapporteur de donner lecture de l'article 16 amendé. Excusez-moi. Le bureau est composé de 12 membres appartenant à part égale au collège. Le président, 2 vice-présidents, 3 questeurs, 3 secrétaires et 3 assesseurs. Les membres du bureau sont élus pour 2 ans. L'élection a lieu à bulletin secret. La majorité absolue des membres en exercice est requise aux 2 premiers tours. Au 3e tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu. Les membres du bureau sont rééligibles. La discussion est ouverte. Aucune intervention. Je mets aux voix l'article 16 amendé. Ceux qui sont pour, 33 pour. Ceux qui sont contre, 26 voix contre, ceux qui s'abstiennent, aucune abstention. Donc l'article 16 amendé est adopté. Et je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 17. L'élection du président du Conseil économique, social et culturel a lieu à bulletin secret. La majorité absolue des membres en exercice est requise aux 2 premiers tours. Au 3e tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu. La discussion est ouverte sur cet article 17. Qui veut prendre la parole? Aucune intervention, aucun amendement ayant été déposé. Donc je mets aux voix l'article 17. Article 17, ceux qui sont pour, à l'unanimité.
Donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 18. L'élection des autres membres du bureau se fait selon les mêmes dispositions que celles prévues à l'article 17 ci-dessus. En cas d'égalité des voix, pour une même fonction, le plus âgé est proclamé élu. Donc sur cet article 18, sur cet article 18, un amendement a été déposé, donc je demande à Nicole Boutot de bien vouloir nous en donner lecture. Compte tenu des modifications apportées à l'article 16, précisant les modalités d'élection des membres du bureau, l'article 18 du projet de délibération est supprimé. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Aucune intervention, aucune discussion sur ce projet d'amendement. Monsieur Jean-Christophe Bisson. Oui, Monsieur le Président, juste pour que les choses soient claires, je crois que nous avons fait voter un article 17 qui prévoit déjà à l'intérieur les modalités, notamment de majorité absolue des membres, au deux tours. Alors, il faudrait peut-être à un moment donné regarder s'il n'y a pas des phrases qui se répètent. J'ai l'impression qu'il y a une redondance dans l'article 16 proposé et amendé sur l'amendement de Madame Boutot et l'article 17 tel que ça a été dit tout à l'heure est adopté. Madame Nicole Boutot. Tout simplement, nous avons trois articles qui se suivent. L'un qui est consacré au bureau, le deuxième au président de l'institution. Il me semblait plus cohérent de regrouper au sein de l'article 16 la composition, mais également les modalités d'élection de ce bureau, tout simplement. Monsieur Jean-Christophe Bissou. Oui, Monsieur le Président, ça ne règle toujours pas le problème. Monsieur le ministre. Il est vrai qu'avec l'article 16 amendé, tel que adopté, nous avons une précision sur l'article 17 et qu'on retrouve déjà dans l'article 16, le président étant membre également du bureau. Ce n'est qu'en réalité une redite, mais spécifiquement sur le président, étant donné qu'il est lui-même membre du bureau. Monsieur Jean-Christophe Bissou. Oui, Monsieur le Président, si on souhaite avoir un texte qui soit, je dirais, rédigé conformément, je dirais, des règles de rédaction sur le plan juridique, je crois qu'il serait nécessaire quand même qu'on fasse une toute petite modification là-dessus. Je crois qu'on est tous d'accord sur le principe, mais je crois que ça nécessite une réécriture. Donc je vais proposer au groupe Tahuera de déposer un amendement pour rectifier cet article 17 dans le sens de la précision qui vient d'être apportée. Pour éviter qu'il y ait une redite, Monsieur le ministre. Il est possible donc de retirer l'article 17, il y a la reprise par l'article 16, mais dans le cadre de l'amendement de Madame Nicole Boutot, notamment sur l'article 18 qui va venir, c'est peut-être à l'intérieur de cet amendement qu'il faut préciser donc le retrait et la précision apportée par l'article 18 sur le fait que le plus âgé est proclamé élu pour une même fonction en cas d'égalité de voix. Il y a ce membre de phrase qu'il faudrait reprendre. Gardez la cohérence. Donc on referait un sous-amendement à l'amendement de Mme Nicole Boutot pour apporter cette précision. Mme Nicole Boutot. Juste pour supprimer donc finalement l'article 17, maintenir l'article 18 et un membre, le dernier alinéa de l'article 18. Monsieur le ministre. Oui, je vois comment. On va préparer la rédaction parce qu'à force de faire sauter un article, revenir récupérer une partie, il faut qu'on garde la cohérence. Hein. Donc, Madame Armel Mercier. Oui, merci Monsieur le Président. C'était juste pour aller un petit peu plus loin. Nous avons supprimé l'article 18, mais on n'a pas procédé à précisément à la renumérotation des articles. Est-ce qu'il ne faut pas formellement aussi indiquer que la numérotation change? Ça n'est pas dans l'amendement. Si, tout à fait, oui.
Non. Monsieur le Président, il serait peut-être bon de prévoir une suspension de séance pour régler ça, parce qu'il faut rédiger quelque chose. Oui, tout à fait. Non, moi, ce que je pense, c'est de réserver, mais je vais voir si ils vont pouvoir s'accorder administrativement parlant. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive, on va réserver cet article, et puis donc le temps de faire préparer les projets d'amendements qu'on va soumettre au président de groupe respectif, et si on tombe d'accord sur une rédaction, à ce moment-là, on reviendra dessus. Et pour ne pas perdre de temps, je vous demande de poursuivre l'examen de notre document en passant alors à l'article 19 directement. Donc on réserve les deux articles 17 et 18. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 19. Le Conseil économique, social et culturel se réunit en assemblée plénière. L'assemblée plénière, sur présentation d'un projet d'avis ou de rapport préparé par la commission ad hoc à la majorité absolue des suffrages exprimés, est seule compétente. Pour rendre les avis prévus à l'article 151 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 suivisée, pour voter les rapports, pour voter la ventilation de la dotation spécifique affectée par la Polynésie française au Conseil économique, social et culturel, pour émettre des vœux à destination des autorités habilitées à le saisir. Les avis et rapports adoptés sont transmis par le président du Conseil économique, social et culturel au président de la Polynésie française et au président de l'Assemblée de la Polynésie française. Les avis sont publiés au journal officiel de la Polynésie française. Alors, sur cet article, deux amendements ont été déposés, donc je vais demander au représentant du groupe UPLD de bien vouloir donner lecture de son projet d'amendement. Monsieur le Président, chers collègues, le groupe UPLD propose de modifier la rédaction de la deuxième phrase de cet article dont je vous donne lecture. L'Assemblée plénière, sur présentation d'un projet d'avis ou de rapport préparé par la commission ad hoc, à la majorité absolue des suffrages exprimés et seule compétente. Nous proposons l'écriture suivante. L'Assemblée plénière, statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés sur présentation d'un projet d'avis ou de rapport préparé et adopté par la commission ad hoc, est seule compétente. Le reste, sans changement. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ceux qui sont pour, à l'unanimité. La discussion est ouverte. Monsieur Jacques Brion. Il nous a paru nécessaire de préciser la rédaction de cet article en précisant que la Commission adopte le rapport ou le projet d'avis soumis à l'Assemblée plénière. Merci. D'autres interventions? Plus d'interventions? Je mets le projet d'amendement aux voix. Ceux qui sont pour? À l'unanimité. Donc un deuxième amendement ayant été déposé, donc je demande à son auteur, Madame Nicole Bouteau, de bien vouloir nous en donner lecture. Oui, il est proposé d'ajouter un dernier alinéa. Chaque année, le ministre chargé des relations avec le Conseil économique, social et culturel fait connaître la suite donnée aux avis rendus par le Conseil. Merci. Donc je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ceux qui sont pour. À l'unanimité, la discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole? Madame Nicole Bouteau. Oui, afin de prendre en compte les vœux émis par le CESC, enfin le vœu aussi dans son avis du 29 mars, il est proposé que le gouvernement fasse connaître annuellement la suite donnée aux avis et recommandations de l'institution. D'autres interventions sur ce projet d'amendement? Plus d'interventions? Je mets aux voix. Oui, Madame Armelle Merceron. Merci, Monsieur le Président. Je trouve que ça manque de précision. Parce qu'on indique simplement « fait connaître la suite donnée », mais on ne précise absolument pas de quelle manière. Peut-être faudrait-il préciser un peu comment on peut envisager que le ministre fasse connaître cette suite. Sous quelle forme? Madame Nicole Bouteau. Et est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement laisser le soin au règlement intérieur du CESC de fixer les conditions de cette information? Merci. D'autres interventions?
Monsieur le ministre. Oui. Je pense qu'effectivement, au niveau, le gouvernement est donc favorable, effectivement, qu'il y a, qu'on puisse avoir ce type de relation avec le Conseil économique et social. Enfin, que le ministre chargé des relations avec le Conseil puisse effectivement, dans le cadre d'une séance particulière, les modalités seront à préciser. Mais c'est vrai que s'il s'agit là d'une nouvelle disposition, et le gouvernement est tout à fait favorable qu'il y ait un rendu sur les avis qui ont été donc donnés par le CESC, ce qui a été ou pas retenu par les autorités en la matière, qui est véritablement un échange. Je pense qu'on a répondu aux interrogations. Le gouvernement est favorable. On peut intégrer dans le règlement intérieur la précision selon laquelle, la forme selon laquelle cet avis sera communiqué par le gouvernement. On ne peut qu'être d'accord, Madame Armelle Merceron. Oui, pour compléter, je ne sais pas si vous l'aviez noté, mais lorsque hier j'ai présenté mon intervention, j'ai indiqué que nous avions été sensibles à la demande des membres du CESC exprimée dans leur rapport qu'il y ait une occasion un peu solennelle de créer ces échanges. Et j'avais indiqué que il nous semblait que cette proposition était intéressante, mais qu'on avait du mal à prévoir qu'elle soit inscrite dans la délibération, d'imposer en quelque sorte ce moment un petit peu solennel, mais qu'il serait bon que cela soit d'abord d'une façon un peu informelle, que la pratique soit créée et qu'après cela devienne une tradition. Donc si on veut aller dans les possibilités, il serait bien que l'on introduise cette possibilité de donner suite aux avis rendus par le Conseil sous la forme d'un discours qui puisse se réaliser le jour de cette, je ne sais pas, on pourrait appeler ça une rentrée solennelle ou je ne sais pas, on fait quelque chose comme ça. En début d'année, par exemple, on pourrait imaginer qu'en début d'année, il y ait cet échange entre le gouvernement, le CSC et pourquoi pas l'Assemblée. D'autres interventions, Monsieur le ministre? Je crois qu'à l'heure actuelle, Président, nous n'avons pas encore conçu la manière dont on va le réaliser. Mais je répète que le gouvernement est favorable. Je crois qu'il faut lui laisser le soin, une fois le CSC installé, et les relations naturelles du ministère en charge des relations avec le CSC, pour définir ça. Est-ce qu'on va aller vers une assemblée solennelle plénière particulière? On ne le sait pas encore. J'aimerais que cela puisse, effectivement, avec la rencontre des membres de l'institution, pour l'organiser. Mais ce que je puis vous dire, c'est que nous en sommes favorables. Il va falloir, effectivement, concret. De quelle manière? On a plusieurs dispositions. Il faut laisser aussi le soin au bureau, peut-être, du CESC, pour présenter sa façon de voir les choses de cette rencontre. Merci. Je pense que je vais mettre au voie le projet d'amendement. Ceux qui sont pour le projet d'amendement, à l'unanimité. Donc je vais maintenant demander au rapporteur de donner lecture de l'article 19 amendé. Le Conseil économique, social et culturel se réunit en assemblée plénière. L'Assemblée plénière statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés sur présentation d'un projet d'avis ou de rapport préparé et adopté par la commission ad hoc est seule compétente pour rendre les avis prévus à l'article 151 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 suivisé pour voter les rapports, pour voter la ventilation de la dotation spécifique affectée par la Polynésie française au Conseil économique, social et culturel, pour émettre des vœux à destination des autorités habilitées à le saisir. Les avis et rapports adoptés sont transmis par le président du Conseil économique, social et culturel au président de la Polynésie française et au président de l'Assemblée de la Polynésie française. Les avis sont publiés au journal officiel de la Polynésie française. Chaque année, le ministre chargé des relations avec le Conseil économique, social et culturel fait connaître la suite donnée aux avis rendus par le Conseil. Merci. Plus de discussion autour de cet article. Madame Armelle Merceron. Oui, je m'interroge simplement sur la légalité d'imposer en quelque sorte au gouvernement de cette obligation. Ça, c'est le premier point. Et puis, je voudrais préciser qu'en fait, logiquement, on a annulé l'article 18.
Donc en fait, on n'est plus dans l'article 19, mais on est dans l'article 18. Pardon ? Il me semble que nous avons annulé tout à l'heure l'article 18. Donc non, on l'a réservé. 19. On a réservé l'article 17 et 18, éventuellement 16, parce que si il y a des propositions de modification qui risquent de mettre en cause les trois articles en même temps. Donc on est sur l'article 19. Aucune autre intervention sur l'article 19 amendé. Donc je mets au voix l'article 19 amendé. Ceux qui sont pour. Trente voix pour. Ceux qui sont contre. L'article 19 amendé, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. Alors, je remets aux voix ceux qui sont pour l'article 19 amendé, ceux qui sont pour l'article 19 amendé. Bon, allez. À l'unanimité. C'est pas une victoire, hein. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire. On poursuit. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 20. L'Assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopte les études qu'elle désire réaliser sur les questions relevant de sa compétence. Tout collège ou commission peut proposer à la majorité absolue de ses membres un sujet d'étude. Ces propositions présentées selon les formes et contenus fixés par le règlement intérieur du Conseil économique, social et culturel sont transmises au bureau de l'institution qui les inscrit à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée plénière après vérification de leur recevabilité. Merci. Aucun amendement ayant été déposé, la discussion est ouverte. Aucune intervention sur cet article 20. Je mets au voie l'article 20. Article 20, même vote. Même vote adopté. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 21. Le Conseil économique, social et culturel se réunit sur convocation de son président. Il peut également être convoqué à la demande du président ou de la majorité de ses membres. La convocation est adressée aux membres du Conseil économique, social et culturel au moins 5 jours calendaires avant la date de la réunion. Ce délai est ramené à 2 jours calendaires en cas d'urgence déclarée par le bureau, non compris dimanche et jours fériés. Merci. Un amendement ayant été déposé au titre de l'article 21, je demanderai à son auteur de bien vouloir nous en donner lecture. Monsieur le Président, chers collègues, le groupe UPLD souhaite modifier la rédaction de la phrase 2 de cet article qui est écrit actuellement. Il peut également être convoqué à la demande du bureau de la majorité de ses membres. Nous proposons l'écriture suivante. Il peut également être convoqué à la demande de la majorité de ses membres et du bureau. Le reste sans changement. Oui, on a bien pris note, ou du bureau. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement, ceux qui sont pour. À l'unanimité, la discussion est ouverte. Aucune intervention. Donc je mets aux voix le projet d'amendement. Ceux qui sont pour. À l'unanimité. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 21 amendé. Le Conseil économique, social et culturel se réunit sur convocation de son président. Il peut également être convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou du bureau. La convocation est adressée aux membres du Conseil économique, social et culturel au moins 5 jours calendaires avant la date de la réunion. Ce délai est ramené à 2 jours calendaires en cas d'urgence déclarée par le bureau, non compris dimanche et jours fériés. Merci. La discussion est ouverte. Aucune intervention. Je mets aux voix l'article 20-21 amendé. Ceux qui sont pour l'article 21 amendé, à l'unanimité. Demande au rapporteur de donner lecture de l'article 22. Le Conseil économique, social et culturel ne peut se réunir et se prononcer que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint fait défaut au cours de la séance, celle-ci est renvoyée de plein droit au lendemain, sauf dimanche et jours fériés, sans condition de quorum. Les séances du Conseil économique, social et culturel sont publiques. Merci. Un projet d'amendement ayant été déposé sur cet article, je demande à son auteur de bien vouloir nous en donner lecture. Donc c'est M. Jacques Villon.
Monsieur le Président, chers collègues, je propose la lecture de la phrase 2 de cet article. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci se tient alors de plein droit, quel que soit le nombre de ses membres présents le lendemain, dimanche et jours fériés non compris. Merci. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Aucune intervention sur ce projet d'amendement. Je mets aux voix le projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 22 amendé. Le Conseil économique, social et culturel ne peut se réunir et se prononcer que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci se tient alors de plein droit, quel que soit le nombre de membres présents le dimanche, le lendemain, dimanche et jours fériés non compris. Les séances du Conseil économique, social et culturel sont publiques. Discussion est ouverte, aucune intervention. Si, Monsieur le Président. Madame Armelle Merceron. Je voudrais quand même faire remarquer à notre Assemblée qu'on va vers une situation où le CSC pourrait très bien approuver des rapports où, même s'il n'y a pas la majorité de ses membres. Hein, donc on risque d'arriver à des situations, il n'y a pas de limite là. On pourrait avoir, me semble-t-il, 10 membres. Et ça suffirait pour approuver un rapport. C'est quand même un petit peu ennuyeux. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le président. Il y a deux possibilités. Si le quorum n'est pas atteint, la séance n'a pas lieu, mais elle est reportée automatiquement. D'ailleurs, lors du report, il n'y a plus de situation de quorum. Donc on retrouve là le nombre de membres présents. C'est une précision de rédaction qui a voulu... C'est vrai que l'ancienne rédaction prévoyait que le renvoi, c'est le quorum n'étant pas atteint, ou fait défaut au cours de la séance. La difficulté, c'est... La logique veut que, quand la séance s'ouvre, les membres soient là. S'il n'y a pas le quorum, ben, c'est reporté automatiquement. Monsieur Jacques Grillon. Pour veiller à ce que l'ensemble des membres du CESC soient présents, il serait alors imaginable d'établir une échelle de sanctions pour ceux qui ne présentent pas des excuses valables au même titre que nous nous sommes imposés. Non. Madame Armelle Masseron. Je voudrais juste corriger, c'est que pour l'Assemblée, d'abord, c'est quand même le pouvoir législatif, c'est plus fort, et deuxièmement, la loi statutaire prévoit ces sanctions. Ce n'est pas nous qui nous les sommes imposées. Monsieur Jacques Grillon. Mais il appartient à l'Assemblée d'établir des sanctions. Si nous estimons que la question du quorum ne peut pas être respectée par des membres qui, de surcroît, sont indemnisés, rien ne nous empêche d'imaginer. Mais la question du quorum, faute de l'avoir, on procède par ce qui est d'habitude, à savoir le lendemain, et on se met au travail. Monsieur le ministre. La première des sanctions, c'est l'absence de paiement de vacations. C'est déjà celle-là. Ensuite, je vous rappelle qu'en cas d'absence, et notamment dans le délai de 6 mois, si on avait, par malheur, quelqu'un se présentait, peut être déclaré démissionnaire. Donc il y a déjà une échelle, mais la première des sanctions, c'est la fameuse non-perception de la vacation. Merci. Plus de discussion. Je mets au voie l'article 22 amendé. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 23. Le bureau assure la gestion du Conseil économique, social et culturel. Il se prononce sur la recevabilité des autosaisines. Il organise les travaux du Conseil économique, social et culturel. Il adopte les modifications du budget en cours d'exercice dans les limites prévues par la réglementation. Il interprète les dispositions du règlement intérieur quand il y a lieu et en propose les modifications à l'Assemblée plénière. Il instruit les procédures de démission d'office et se prononce sur les mesures disciplinaires à l'encontre des membres telles que prévues par le règlement intérieur. Il décide de démission des membres du Conseil économique, social et culturel entraînant un déplacement hors de l'île de Tahiti.
Il ne peut statuer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents. Il se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres. Le secrétaire général du Conseil économique, social et culturel assiste de droit aux réunions du bureau avec voix consultative. Les séances du bureau ne sont pas publiques, seuls peuvent y assister les membres ou les personnalités extérieures invitées. Merci. Alors, au titre de cet article, deux projets d'amendements ont été déposés. Donc, je demanderai au projet de l'amendement déposé par le groupe UPLD de bien vouloir nous en donner lecture. Monsieur le Président, chers collègues, le groupe UPLD propose de supprimer le 10e alinéa de cet article. Nous proposons aussi de modifier le suivant, le 11, de la manière suivante. Au lieu de lire « Les séances du bureau ne sont pas publiques, seuls peuvent y assister les membres et les personnalités extérieures invitées », nous proposons la lecture suivante et l'écriture suivante. « Les séances du bureau ne sont pas publiques, seuls peuvent y assister les membres, le secrétaire général, les fonctionnaires chargés du secrétariat et les personnalités extérieures invitées. » Merci. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Aucune intervention. Madame Nicole Bouteau. Juste une question par rapport à la suppression de l'alinéa, la proposition de suppression de l'alinéa 10. Est-ce que cela supposerait que ça enlèverait le droit au secrétaire général d'assister aux réunions du bureau? Pardon. Je pense qu'on l'a contracté dans le projet d'amendement. Monsieur Jacques-Yves. Ah oui, pardon, excusez-moi, je retire ma question. Bien, Monsieur Jean-Christophe Bissou. Non, je crois que la réponse, Monsieur le Président, est partielle à la question qui a été posée par Madame Nicole Bouteau. Ça modifie le fait que le secrétaire général n'a plus droit à la voix consultative, quand même. Parce que assister à une réunion, c'est une chose, mais pouvoir participer et avoir un droit de vote, même si c'est à titre consultatif, c'est autre chose. Donc il y a quand même une modification sur le statut même du secrétaire général qui assiste à la réunion du bureau. Merci. Plus d'intervention, M. Jacques Briand. Oui, l'explication est simple. Que ce soit très délicat d'attribuer une voix consultative au secrétaire général lors des séances, alors qu'il n'est pas membre de l'institution. Ensuite, le deuxième point, il nous a paru préférable qu'il peut assister aux séances du bureau et de prévoir également la présence des fonctionnaires qui sont chargés du secrétariat. Donc, c'est deux informations qui étaient nécessaires. Merci. D'autres interventions, Madame Armel Mercerot. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il est important de positionner le secrétaire général un peu à part des autres personnes extérieures, sachant quand même qu'il a un rôle important dans le suivi des dossiers, et il serait bon, même si on supprime les voies consultatives, qu'on puisse indiquer, que le secrétaire général assiste de droit aux réunions, pour indiquer qu'il a bien sa place et qu'il peut être interrogé systématiquement. D'autres interventions, Madame Emma Algon. Oui, Président, je soutiens tout à fait cet avis, puisque dans l'article 252 de la loi statutaire, au dernier alinéa, il est indiqué ceci. Le président du Conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du Conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au responsable administratif du Conseil. Dans la loi statutaire, il est tout de même reconnu une portée de la fonction du secrétaire général. Nous, notre Assemblée, moi je souhaite vivement que notre Assemblée reconnaisse le droit au secrétaire général. Monsieur le ministre. Oui, alors c'est vrai que l'article, enfin le paragraphe 10, pose surtout la situation de la voie consultative. Mais le secrétaire général est bien repris dans le projet d'amendement. Il est bien présent. Les séances du bureau ne sont pas plus seules, peuvent lui assister les membres du secrétaire général. Ce que Mme Algon dit, c'est dans la gestion au niveau de la situation des personnels.
Mais le but n'est pas, au contraire, n'est pas d'écarter le secrétaire général, il faut qu'elle y soit, dans les séances du bureau comme dans les autres commissions. C'est une contraction du paragraphe 10 avec une précision apportée là. Bon. Merci. D'autres interventions, Madame Armel. Merci. En fait, si on lit bien, moi j'avais pas compris ça comme ça parce que il y a le mot invité, c'est ES. Donc, on comprendrait que sont invités le secrétaire général, les fonctionnaires et les personnalités extérieures, parce que on a l'impression puisque c'est masculin. Pluriel, on a l'impression que ce sont les trois qui sont invités. Or, d'après votre explication, c'est que les personnalités extérieures qui sont invitées. Donc, il faut mettre EES. Oui, exact. C'est une erreur matérielle. On est d'accord? Une erreur matérielle. Non, ça change tout parce que on a mal compris. On a bien compris. Donc, au lieu de présenter un nouveau sous-amendement, moi, je vous propose de rajouter le « e » qui manque, en excusant le secrétaire ou la secrétaire qui a été à l'origine de cette petite erreur matérielle. Monsieur Jacques Ibrion. Disons que c'est une erreur rédactionnelle syntaxique. Donc, je vais proposer de mettre aux voix le projet d'amendement. Moi, j'aime bien le... Donc, on passe au vote. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc un deuxième projet d'amendement a été déposé. Ah, ceux qui sont pour, donc, on repasse au vote. Ceux qui sont pour, cette fois on a l'unanimité. 28 pour, ceux qui sont contre, 0 voix contre. Ceux qui s'abstiennent, 26 abstentions. Un deuxième projet d'amendement a été déposé au titre de cet article, donc je demande à Pascal Haïti de bien vouloir nous en donner lecture. Pascal. Merci, Monsieur le Président. À l'article 23, au deuxième alinéa, après le terme « recevabilité », il est ajouté les termes « dessaisine » et... Voilà, Monsieur le Président. Merci. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Madame Pascale Haïti. Merci. Alors, la compétence du CESC étant d'avoir à se prononcer également sur des saisines émanant du gouvernement, il est logique que le bureau s'assure bien de leur recevabilité avant d'engager l'institution dans des travaux d'études. Merci. La discussion est ouverte. Monsieur le ministre. Dans le cadre d'une saisine du CESC, ce sont les autorités qui saisissent le CESC. Si l'on demandait donc au CESC d'apprécier cette saisine, la recevabilité, il y aurait pour ainsi dire un contrôle du CESC sur le pouvoir de saisine des autorités. Si le CESC se rend compte qu'elle n'a pas les capacités, dans son rapport, elle le fera savoir et son avis sera très clair. Nous n'avons pas répondu à la question compte tenu des difficultés de ce que nous avons pu apprécier. Je rappelle par le passé que le CESC dans l'ancienne rédaction au niveau donc réglementaire, n'avait pas la possibilité de se positionner sur les questions politiques. Et pourtant, par le passé, le gouvernement avait soumis le projet de statut du pays. Le CESC tout de même a voulu rendre un avis. Elle avait pourtant à ce moment-là la compétence au terme de la loi, pour dire non, ça ne rentre pas dans notre champ de compétences. Cela a été fait. C'est ce qui s'est passé. C'était le grand débat à l'époque au CESC, la limite d'intervention de son auto-saisine. Mais la loi a clarifié clairement. Je crois que là, on ne peut pas laisser
au CESC l'appréciation de la recevabilité d'une saisine des autorités. Il appartient au CESC, dans son rapport, d'avis justement de rappeler et de dire que nous n'avons pas débattu de la question. Mais elle ne peut pas restreindre un droit des autorités de la saisie. Merci. D'autres interventions, Madame Armel, merci. Oui, merci Monsieur le Président. Je relis l'article 151 de la loi statutaire et il me semble quand même qu'elle indique des restrictions ou en tous les cas, elle fixe bien le contour des saisines. Il est bien dit « est saisi pour des avis de projet de plan à caractère économique et social ». Donc, ça doit être que à caractère économique et social. Il est indiqué aussi que le CESC est consulté pour les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommé « loi de pays à caractère économique et social ». Donc là aussi, c'est listé. Ensuite, il peut être consulté par le gouvernement ou par l'Assemblée sur les autres projets ou propositions d'actes prévus à l'article 140, là encore c'est fixé, et sur les projets et propositions de délibération, ainsi que sur toute question à caractère économique, social et culturel. Donc on a quand même, en lisant ça, bien le sentiment que c'est cadré domaine économique, social et culturel, et qu'il pourrait se faire que le CEC puisse être saisi par le gouvernement de questions qui seraient hors ce cadre. Donc il faut laisser au CEC le pouvoir d'apprécier. Monsieur le ministre. C'est justement dans son avis qui sera rendu qu'elle fera savoir. Il vaut mieux que ça aille jusque devant l'Assemblée, que tout le monde soit au courant. Parce que là, c'est les membres du bureau. La réalité va être toute simple. Le CEC va se réunir rapidement et dans le cadre de l'urgence et rappeler que les dispositions de la loi statutaire ne permettent pas. Et ce serait donc rappeler au gouvernement, aux autorités, qu'ils sont sortis du champ d'application. Il vaut mieux que la société civile, au sein de ces institutions, le fasse connaître rapidement. Et c'est ce qui se passe dans la réalité. L'année passée, il y a eu des avis émanant du gouvernement, sur lequel la réponse a été très rapide. Parce que l'avis étant imprécis, difficile à débattre, sortons un peu du champ d'investigation du CEC. Mais un avis a été rendu. Et ça, les membres y tiennent, pour rappeler à chaque fois les dispositions réglementaires sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Mais je ne crois pas qu'il faille laisser le bureau. C'est une saisine, je dirais, dans ces conditions, qui aurait faute des autorités de l'avoir saisie de cette manière. C'est ça la réalité. Si le CEC rendait son avis rapidement en disant non, vous êtes en hors du champ prévu dans la saisine du CEC. À titre de commentaire, je crois que cette précision est apportée à l'article 19 de notre délibération que nous avons adoptée, amendée. Parce que les saisines sont faites au Conseil économique et social en séance plénière. Donc, en fait, il appartient à l'Assemblée plénière de rendre les avis et de prendre les vœux, d'émettre les vœux, plutôt qu'au bureau. Bon. Plus d'intervention au titre de ce projet d'amendement. Donc, je vais mettre au voie le projet d'amendement. Ceux qui sont pour. Monsieur le Nord, hein. 26 voix pour. Ceux qui sont contre. 28 voix contre. Ceux qui s'abstiennent, 2 abstentions. Je demande maintenant au rapporteur de donner lecture de l'article 23 amendé. Le bureau assure la gestion du Conseil économique, social et culturel. Il se prononce sur la recevabilité des autosaisines. Il organise les travaux du Conseil économique, social et culturel. Il adopte les modifications du budget en cours d'exercice dans les limites prévues par la réglementation. Il interprète les dispositions du règlement intérieur quand il y a lieu et en propose les modifications à l'Assemblée plénière. Il instruit les procédures de démission d'office et se prononce sur les mesures disciplinaires à l'encontre des membres tels que prévus par le règlement intérieur. Il décide démission des membres du Conseil économique, social et culturel entraînant un déplacement hors de l'île de Fethi.
il ne peut statuer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents. Il se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres. Les séances du bureau ne sont pas publiques. Seuls peuvent y assister les membres, le secrétaire général, les fonctionnaires chargés du secrétariat et les personnalités extérieures invitées. Avec un E à inviter. Merci. Donc je mets aux voix l'article 23 amendé. Ceux qui sont pour. 28 voix pour, ceux qui sont contre. Aucune voix contre, ceux qui s'abstiennent. 28 abstentions. L'article 23 est adopté. Moi, je vous propose de passer à l'article 24 et je demande au rapporteur de nous en donner lecture. Le président du Conseil économique, social et culturel représente l'institution de façon permanente et est garanti de son bon fonctionnement. Il dirige et préside les travaux de l'Assemblée plénière, du bureau et de la commission du budget. Il exerce les pouvoirs de police. Il assure l'exécution des décisions de l'Assemblée plénière et du bureau. Il donne au secrétaire général les instructions tendant à permettre la bonne exécution des tâches dévolues au service. Il administre le personnel de l'institution conformément aux articles 42 et 43 de la présente délibération. Il est l'ordonnateur du budget du CESC et peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un des vice-présidents, à l'exception du pouvoir de réquisition du comptable. Il peut déléguer sa signature aux membres du bureau ou responsable administratif du secrétariat général du Conseil économique, social et culturel. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par l'un des vice-présidents. Merci. Donc, deux amendements ont été déposés au titre de cet article. Je demande au rapporteur de l'amendement déposé par le groupe UPLD de bien vouloir nous en donner lecture. Madame Emma Algan. Excusez-moi, Président, c'est par rapport au vote précédent. Oui. Vous aviez dit 28-28. 28 pour, 28 abstentions. Ouais. Ah, ok. Merci. Donc, je demande au rapporteur de l'amendement du groupe UPLD de bien vouloir nous en donner lecture. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le groupe UPLD propose de modifier l'alinéa numéro 3 de la façon suivante. Au lieu de lire « Il exerce les pouvoirs de police », nous préconisons l'écriture « Il exerce la police des débats ». Merci. Donc, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Aucune intervention, je mets aux voix l'amendement présenté par le groupe UPLD. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Un deuxième projet d'amendement a été déposé au titre de cet article et je demande à son auteur, Mme Pascale Heidi, de bien vouloir nous en donner lecture. Merci, Monsieur le Président. Alors, à l'article 24, il est ajouté un avant-dernier alinéa ainsi rédigé, en conformité avec les dispositions du quatrième de l'article 151 de la loi organique, numéro 2492 du 27 février 2004, il veille à la publicité la plus large des rapports et avis du Conseil économique, social et culturel, spécialement par la publication obligatoire au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Madame Pascale Heidi. Merci. Alors, cet amendement vise d'une part à valoriser le travail du Conseil économique, social et culturel, d'autre part à confirmer la responsabilité de son président en matière de large publicité des rapports et avis de l'institution, et enfin à prévoir la publication systématique au journal officiel de la Polynésie française. Merci. D'autres interventions au titre de ce projet d'amendement, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, au titre de l'article 19, les avis sont déjà prévus en publication au journal officiel. Les rapports risquent d'être conséquents pour justement arriver à un avis, mais c'est la lourdeur et matériellement. À l'heure actuelle, le CESC dispose déjà d'un site. Il le fait connaître. Je crois que si l'on veut, effectivement, on peut aller jusqu'au rapport, mais ça va être l'épaisseur et les contenus, alors que les avis, c'est ce qui est généralement rechercher. Mais si l'Assemblée souhaite, ça va alourdir la situation au niveau du journal officiel.
parce qu'un rapport peut être composé d'un nombre de pages très important pour ensuite uniquement aboutir sur l'avis. C'est un problème de gestion matérielle. Merci, Madame Armelle Merceron. Merci, Monsieur le Président. Je reconnais que pour les avis, effectivement, c'est déjà prévu. Mais pour les rapports, je trouve que les rapports, le nombre de rapports du CESC n'est pas si important que cela, alors que la loi statutaire prévoit que nos débats soient publiés au JOPF, et vu le fait que nous sommes extrêmement bavards, je pense que nos PV seront beaucoup plus importants que les rapports du CESC. En plus, ces rapports-là seront peut-être plus condensés que ce que nous faisons et, à mon avis, plus utiles. C'est pour ça que je pense qu'il faut maintenir cela à titre d'information du public. Merci. D'autres interventions sur ce projet d'amendement, Monsieur le ministre? Je crois que, bon, sous cet angle, effectivement, ben, il va falloir réorganiser la publie officielle dont j'ai également la charge. Je le ferai savoir. Non, mais je crois qu'effectivement, les rapports sont consistants au CESC, sont importants, mais c'était un problème matériel de lourdeur. Mais vu les explications. Votons tous pour. Madame Pascal Haïti. Excusez-moi. Mais je pense que c'est une bonne chose pour valoriser le travail des représentants du Conseil économique, social et culturel. Et puis elle a une diffusion beaucoup plus large. Certains n'ont pas accès au site internet et là, le journal officiel. Monsieur Jean-Christophe Bissou. Ça va, Monsieur le Président, ça va aussi dans le sens d'une plus grande transparence qui est souhaitée sur le fonctionnement de nos institutions. Ben, je signale juste à titre de commentaire qu'ils ont beaucoup de mal à publier nos PV au JO. Monsieur Jacques Ibrion. Oui, il est évident que la nécessité de rendre transparents les travaux nous est imposée parce que la société a évolué et cherche à connaître. Mais la question qui se pose, combien de personnes sérieusement, depuis que nous sommes à l'Assemblée, a pris le journal officiel et a relu ses propres déclarations? Merci, Monsieur le ministre. Afin de répondre à la demande de transparence au niveau du CESC, ce qui a cruellement manqué jusqu'à présent, le gouvernement donc est favorable pour que les rapports soient également publiés au JO. Merci. Bon, ben, je propose de mettre au voie le projet d'amendement. Monsieur Jean-Michel Calson. Oui, excusez-moi, là j'ai l'article 4. Le quatrième. Alors, voici ce qu'il dit. Qui dit, les rapports et les avis du Conseil économique, social et culturel sont rendus publics, point. Je ne trouve pas les mots où il est dit qu'il faut les publier au plus large possible dans le journal officiel, etc. Donc, je pense qu'il faut rester dans le cadre de la loi statutaire qui dit qu'ils sont rendus publics, point. Madame Pascal Haïti. Merci, Monsieur le Président. Le ministre en charge du dossier s'est prononcé favorable. Ben, je pense qu'il est logique de suivre son avis. Merci. Sauf qu'il ne vote pas. Madame Nicole Bouteau. Oui, par contre, moi je vote et je suis également favorable à l'amendement déposé par Retaouéa parce que ça va vers plus de transparence et de l'information, tout simplement. Donc tous les moyens d'information sont bienvenus. Bien, bon, ben on va passer au vote. Donc je mets au vote le projet d'amendement présenté par le groupe Tahouer A. Donc ceux qui sont pour, à l'unanimité. Monsieur le Président, explication Monsieur de vote. Jacques Ibrion. Voilà, c'est pour équilibrer la victoire de l'UPLD tout à l'heure. Très bien, donc je vais demander au rapporteur de donner lecture de l'article 24 amendé. Le président du Conseil économique, social et culturel représente l'institution de façon permanente et est garant de son bon fonctionnement. Il dirige et préside les travaux de l'Assemblée plénière, du bureau et de la commission du budget. Il exerce la police des débats, il assure l'exécution des décisions de l'Assemblée plénière et du bureau.
Il donne au secrétaire général les instructions tendant à permettre la bonne exécution des tâches dévolues au service. Il administre le personnel de l'institution conformément aux articles 42 et 43 de la présente délibération. Il est l'ordonnateur du budget du CESC et peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un des vice-présidents, à l'exception du pouvoir de réquisition du comptable. Il peut déléguer sa signature aux membres du bureau ou aux responsables administratifs du secrétariat général du Conseil économique, social et culturel. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par un des vice-présidents. En conformité avec les dispositions du 4 de l'article 151 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004, il veille à la publicité la plus large des rapports et avis du Conseil économique, social et culturel, spécialement par leur publication obligatoire au journal officiel de la Polynésie française. Discussion est ouverte. Aucune autre intervention sur cet article amendé. Donc je mets au voie l'article 24 amendé. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 25. Les casseurs sous l'autorité du bureau sont chargés du contrôle financier du Conseil économique, social et culturel. Aucune dépense ne peut être engagée sans le visa de l'un d'eux. Chaque année, lors de la préparation du budget, ils établissent un état financier de l'institution qui est soumis à l'examen de l'Assemblée plénière. Voilà, aucun amendement n'ayant été déposé au titre de cet article, donc la discussion est ouverte, pas d'intervention. Je mets au voie l'article 25, ceux qui sont pour, à l'unanimité. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 26. Le secrétaire est chargé d'assister le président dans le décompte des voix en assemblée plénière. Il signe avec le président les procès-verbaux des assemblées plénières et du bureau. La discussion est ouverte sur cet article 26, pour lequel aucun amendement n'a été déposé, aucune intervention. Je mets au voie l'article 26. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 27. Il est créé des commissions au sein du Conseil économique, social et culturel. Les commissions ont pour mission de préparer les rapports, avis et recommandations sur les saisines et autosaisines qui leur sont confiées par le bureau à soumettre à l'adoption de l'Assemblée plénière. Les commissions du Conseil économique, social et culturel sont les suivantes. Commission éducation-emploi chargée de l'enseignement général, technique, supérieur, de la recherche, de la formation professionnelle du travail, de l'océanisation des cadres et de la réforme de l'administration. Commission économie chargée du commerce, de la fiscalité, de l'énergie, des nouvelles technologies, des secteurs productifs, des affaires économiques, des affaires internationales. Commission santé et société chargée de la solidarité, de la famille, de la jeunesse, des questions relatives au troisième âge de la vie associative, des sports, de la culture, de la santé, des régimes de protection sociale. Commission aménagement du territoire et relations avec les États du Pacifique, chargée du développement des archipels, de l'équipement, de l'urbanisme, des transports, des affaires foncières, de l'environnement. Lorsque le Conseil économique, social et culturel est saisi, selon la procédure d'urgence d'un sujet ou d'un texte, n'entrant pas dans le champ de compétence des commissions ci-dessus énumérées ou relevant de la compétence de plusieurs commissions, le bureau peut créer une commission spéciale temporaire par dérogation aux dispositions prévues à l'article 28 ci-dessous. Merci. Donc, au titre de cet article, deux amendements ont été déposés. Un amendement présenté par le groupe UPLD et un amendement présenté par le groupe Tahuera. Donc, je demande au rapporteur de l'amendement déposé par le groupe UPLD de bien vouloir nous en donner lecture. Monsieur le Président, chers collègues, je vous propose de modifier le cinquième et le septième alinéa de la façon suivante. Au lieu de lire la commission économie chargée du commerce, de la fiscalité, de l'énergie, des nouvelles technologies, des secteurs productifs, des affaires économiques, des affaires internationales, la commission aménagement du territoire et relations avec les États du Pacifique, chargée du développement des archipels, de l'équipement, de l'urbanisme, des transports, des affaires foncières, de l'environnement, nous proposons l'écriture suivante. La commission économie, chargée du commerce, de la fiscalité, de l'énergie, des nouvelles technologies, de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, de l'artisanat et des affaires économiques. Pour ce qui est de la commission de l'aménagement du territoire et relations avec les États du Pacifique,
chargé du développement des archipels, de l'équipement, de l'urbanisme, des transports, des affaires foncières, de l'environnement et des affaires internationales. Donc, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc, la discussion est ouverte. Monsieur Jacques Ibrahim. Il nous a paru nécessaire de regrouper de manière à ce qu'il y ait une cohérence, de spécifier que la deuxième commission s'occupe expressément de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, de l'artisanat, et d'indiquer que les affaires internationales relevaient de la compétence de la quatrième commission. Merci. D'autres interventions au titre de cet amendement? Plus d'interventions. On met l'amendement aux voix. Ceux qui sont pour? Ceux qui sont pour? À l'unanimité. Donc un deuxième amendement a été déposé au titre de cet article et je demande à son auteur, Mme Théoura Eliti, de bien vouloir nous en donner lecture. Oui, article 27, au dernier alinéa, les termes « selon la procédure d'urgence » sont retirés. Merci, je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ceux qui sont pour, à l'unanimité. La discussion est ouverte. Mme Théoura Eliti. À la lecture des dispositions du troisième alinéa du grand 2 de l'article 151 de la loi organique portant statut d'autonomie du pays, il n'est pas de raison qui puisse justifier de maintenir ces dispositions et ainsi restreindre les possibilités de constitution d'une commission spéciale temporaire qu'au seul cas où l'urgence aurait été invoquée. Merci. Plus d'intervention au titre de cet article. Monsieur le ministre. S'il a été proposé que cela, les commissions spéciales ou temporaires, uniquement selon la procédure d'urgence, c'est pour permettre justement dans le cadre de saisine normale, voire d'autosaisine, que ça rentre obligatoirement dans ces commissions. C'est vrai que les commissions ont été dans leur définition élargie, sinon ce serait créer en permanence une autre commission. Or, c'est sous le concept de ces quatre commissions et faire en sorte qu'ils soient vraiment exceptionnels, qu'on puisse traiter en commission particulière. C'est le travail normal des commissions. Je sais qu'au niveau du CEC, il y a un grand débat après au niveau des membres du bureau pour savoir c'est quelle commission. Et les gens, les membres ont tendance après à créer des commissions parallèles. C'est pour les ramener véritablement dans le travail au quotidien des commissions. C'est pour ça que nous avons voulu réserver ça véritablement quand il y a urgence, parce qu'il faut réunir rapidement les gens. Et dans les conditions qui sont... C'était pas sous une disposition particulière. C'est pour rappeler aux membres qu'ils ont des commissions, qu'ils doivent s'inscrire, qu'ils doivent travailler dans le cadre des commissions qui existent, et non pas pérenniser la situation des GTT, des groupes de travail temporaire ou des commissions spéciales. On a vu une dérive en la matière. Merci. D'autres interventions, Madame Armelle Merceron. Oui, c'est pour demander à Monsieur le ministre de préciser la façon dont il voit les choses, parce que imaginons que, sauf sans urgence, il y ait une question... Donc le bureau aurait du mal à trouver quelle est la commission adéquate. Comment il ferait? Monsieur le ministre. Oui, c'est de la manière dont on répond à la question. Si on veut se persuader qu'on n'a pas de réponse, qu'on veut que ce soit plusieurs commissions, on y arrive. C'est pour ça que les commissions étaient assez larges. Mais c'est véritablement au vécu qu'on va voir. C'est pour éviter qu'on crée en parallèle. Je vous rappelle que plus tard, les membres doivent s'inscrire dans les commissions. Sinon, le niveau d'inscription des membres ne vaut plus rien. Systématiquement, ils vont dire « je vais vers la commission de ad hoc particulière ». C'était pour rappeler comme on est au monde qu'ils ont des commissions qui doivent s'inscrire et non pas éviter les commissions et systématiser la création de commissions. Comme je le rappelais, il y a toujours, au niveau d'un sujet qui est évoqué, la possibilité qui serait offerte d'éclater les commissions et de dire ensuite on va créer la nouvelle commission d'ordre. Et les commissions normales n'auraient plus d'activité. C'est ça la difficulté. C'est pas pour restreindre un champ d'application, mais c'est pour rappeler au monde il faut absolument que les commissions travaillent dans leurs compétences et faites en sorte que les sujets... Vous savez bien qu'un sujet a plusieurs portées, mais il y a quand même l'essentiel au niveau du sujet qui doit être traité par la commission. C'est véritablement un problème matériel et de permettre aux membres de gérer au bien leur commission. Merci. D'autres interventions au titre de ce projet d'amendement ?
plus d'interventions, je mets au voie le projet d'amendement. Ceux qui sont pour. 26, ceux qui sont contre. 33 contre, ceux qui s'abstiennent, aucune abstention. Donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 27 amendé. Il est créé des commissions au sein du Conseil économique, social et culturel. Les commissions ont pour mission de préparer les rapports, avis et recommandations sur les saisines et autosaisines qui leur sont confiées par le Bureau à soumettre à l'adoption de l'Assemblée plénière. Les commissions du Conseil économique, social et culturel sont les suivantes. Commission éducation emploi, chargée de l'enseignement général technique supérieur, de la recherche, de la formation professionnelle du travail, de l'océanisation des cadres et de la réforme de l'administration. Commission économie, chargée du commerce, de la fiscalité, de l'énergie, des nouvelles technologies, de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, de l'artisanat et des affaires économiques. Commission santé et société, chargée de la solidarité, de la famille, de la jeunesse, des questions relatives au troisième âge, de la vie associative, des sports, de la culture, de la santé, des régimes de protection sociale. Commission aménagement du territoire et relations avec les États du Pacifique, chargée du développement des archipels, de l'équipement, de l'urbanisme, des transports, des affaires foncières, de l'environnement et des affaires internationales. Lorsque le Conseil économique, social et culturel est saisi selon la procédure d'urgence d'un sujet ou d'un texte n'entrant pas dans le champ de compétences des commissions ci-dessus énumérées ou relevant de la compétence de plusieurs commissions, le Bureau peut créer une commission spéciale temporaire par dérogation aux dispositions prévues à l'article 28 ci-dessous. Merci. Je mets au voie l'article amendé, l'article 27 amendé. Ceux qui sont pour. 33 pour, ceux qui sont contre. Aucune voix contre. Ceux qui s'abstiennent. 26 abstentions. Merci. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 28. Chaque commission est composée au plus de 24 membres, également répartis entre les collèges. À ces membres s'ajoute le président du Conseil économique, social et culturel, membre de droit de toutes les commissions. Les membres de commission sont élus par l'Assemblée plénière pour 2 ans renouvelables, exclusion faite du cas des commissions spéciales temporaires selon les règles établies par le règlement intérieur. Chaque membre doit s'inscrire à au moins une commission et nul ne peut être inscrit à plus de 3 commissions, exclusion faite de la commission du budget et des commissions spéciales temporaires. Chaque commission élit en son sein, pour un mandat de 2 années, un président, un vice-président et un secrétaire. Merci. Alors, le groupe Taouera a déposé 2 projets d'amendement au sujet de cet article et je demanderai à Mme Théoura Eriti de bien vouloir nous donner lecture de l'amendement numéro 14. Oui, article 28. Le deuxième alinéa est rédigé comme suit. Les membres des commissions sont élus par l'Assemblée plénière au scrutin de liste sans rature ni panachage pour 16 mois renouvelables, exclusion faite du cas des commissions spéciales temporaires. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Madame Théoura Eriti. Les conditions d'élection des membres du CESC aux différentes commissions constituent une règle de fonctionnement de l'institution dont les principes doivent être posés au sein de la délibération de notre Assemblée et non au sein du règlement intérieur adopté par l'institution elle-même en vertu de l'article 150 alinéa 3 du statut, lequel n'a supporté que les mesures complémentaires nécessaires à leur application. Et puis, bien sûr, nous sommes restés cohérents donc à notre présence ce matin sur le principe de l'accès tournant. Merci. D'autres interventions, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je comprends cette rédaction, mais la disposition, comme l'a rappelé Madame Eriti, sur les 16 mois renouvelables, pose donc la difficulté à ce niveau-là. Plus d'interventions, donc je mets au voie le projet d'amendement. Ceux qui sont pour, 26 voix pour, ceux qui sont contre. 33 contre, aucune abstention. Donc je demande à Mme Théoura de poursuivre la lecture du deuxième amendement. Mme Armelle Merceron. Merci, je voudrais une précision. J'ai cru comprendre dans la réponse du ministre qu'il était plutôt d'accord avec la précision
du mode d'élection des membres de la commission, mais que, dans la logique de ce qui a déjà été adopté ce matin, les 16 mois ne valaient plus. Donc je me demande s'il ne vaudrait pas que nous prévoyions un sous-amendement qui permette de retenir que la première partie, à savoir les membres des commissions, sont élus par l'Assemblée plénière au scrutin de liste sans rature ni panachage, exclusion faite du cas des commissions spéciales temporaires, ce qui, et puis il faut mettre à ce moment-là les 2 années, mais on resterait cohérent avec la hiérarchie des lois des règles, et ne pas laisser au règlement intérieur ce qui, normalement, est de la responsabilité de l'Assemblée. Peut-être alors qu'il faudrait rajouter l'isoloir. Monsieur le ministre. Monsieur le président, comme je le disais, je peux comprendre et accepter qu'il n'y ait pas de ratio ni panachage au niveau donc de la compétence. C'est l'Assemblée qui définit, mais c'est la disposition des 16 mois. Effectivement, peut-être un sous-amendement permettrait de régler cette question. Mais l'article en tant que tel ne peut pas, bien évidemment, être pris en compte. Enfin, l'amendement tel que proposé. Ben, je vous propose de réserver cet article et puis on va vous laisser le soin de faire le sous-amendement. D'accord. Si vous êtes d'accord, si vous refusez, on poursuit. Non, on est d'accord pour faire un sous-amendement. Très bien. Monsieur le ministre, on fait comme ça. OK. Donc on réserve l'article 28 et je demande donc de donner lecture de l'article 29. Alors, article 28, au dernier alinéa, les termes 2 années sont remplacés par 16 mois. Non. Nous réservons l'article 28. Pardon ? Ah, très bien. Donc, je vais demander à Mme Théoura Eriti de redonner lecture de son projet d'amendement. C'est le projet numéro 15. Alors, je relis. Au dernier alinéa, les termes 2 années sont remplacés par 16 mois. Merci. Donc, je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Pas d'explication, pas de discussion. On met aux voix donc l'article 28, l'amendement plutôt de l'article 28, l'amendement numéro 15. Madame Eriti. Ah, passez aux voix. Les camps, on insiste encore un peu plus, quoi. On passe au vote, si. D'accord. Donc, on passe aux voix, on met aux voix l'article, l'amendement numéro 15 à l'article 28. Ceux qui sont pour. 26 pour. Ceux qui sont contre. 33 contre et aucune abstention. Donc je vais, avant de demander donc au rapporteur de donner lecture de l'article 29, je réserve l'article 28 pour le sous-amendement et après on donnera lecture de l'article 28 amendé. Donc veuillez donner lecture de l'article 29. La commission du budget est une commission particulière composée de 6 personnes. Le président du Conseil économique, social et culturel, les deux questeurs, 3 membres élus pour 2 ans par l'Assemblée plénière sur proposition de leurs collèges respectifs parmi les membres ne faisant pas partie du bureau du Conseil économique, social et culturel. Le secrétaire général du Conseil économique, social et culturel assiste de droit aux réunions de la commission du budget avec voix consultative. La commission du budget est chargée de la préparation du projet de budget du Conseil économique, social et culturel, lequel est soumis au vote de l'Assemblée plénière dans les conditions prévues par la réglementation. Merci. Donc là, 2 projets d'amendement ont été déposés. Je demanderai au groupe UPLD de bien vouloir donner lecture de son projet d'amendement.
Monsieur le Président, Mesdames les représentants, le groupe UPLD propose de supprimer le troisième alinéa de cet article. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Monsieur Jacques Brion. Comme en ce qui concerne le bureau, il me semble délicat d'attribuer une voix consultative au secrétaire général dans la mesure qu'il n'est pas membre du CESC. Merci. D'autres interventions au titre de ce projet d'amendement? Aucune autre intervention? Madame Armelle Merceron. Oui, Monsieur le Président, je réitère l'idée que le secrétaire général du Conseil économique, social et culturel est une personne importante de l'institution, qui assure la continuité des choses, et alors que le président, par exemple, et le bureau sont renouvelés tous les 2 ans, il me semble qu'il faut peut-être quand même prévoir qu'il puisse assister de droit, ce qui sous-entendrait qu'il puisse être interrogé quand on a besoin de l'interroger, si vous ne souhaitez pas que l'on indique qu'il est avec voix consultative. Mais je trouve que ce serait dommage de ne pas prévoir qu'il puisse être présent de droit. Monsieur Jacques Brion. Oui. L'amendement que nous proposons, c'est de préciser qu'il n'a pas voix consultative. C'est à ce niveau-là que la question se pose. Sur le principe qu'il assiste aux travaux, la discussion reste ouverte. Mais c'est la question de la voix consultative dans la mesure où il n'est pas, c'est un fonctionnaire, il n'est pas élu. Madame Nicole Boutot. Je serais également assez favorable à ce qu'on maintienne la première partie de cet alinéa et qu'on ne supprime uniquement qu'avec voix consultative. Donc ça supposerait un sous-amendement, si vous en êtes d'accord. Très bien, d'autres interventions? Plus d'interventions? Donc je vais proposer de réserver cet article et on va laisser le soin donc au groupe du Tahouera de faire le projet d'amendement ou du PLD. Tahouera? Nous pouvons le faire. Ou à Tahouera, là. D'accord. Très bien. Donc on a pris note, on passe à l'article 30. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 30. Les séances des commissions ne sont pas publiques. Seules peuvent y assister les personnes qualifiées et invitées à participer aux réunions. Merci. Alors, il y a un projet d'amendement a été déposé au titre de cet article et je demanderai donc à son rapporteur, M. Jacques Brion, d'en donner lecture. Monsieur le ministre. Sur l'article 29. Oui, c'est l'article 29. Notamment la composition de la commission du budget. Il a été décidé précédemment qu'il y avait 3 questeurs. Donc il faut apporter là une modification. C'est donc plus 6 membres, mais 7, afin d'intégrer le 3e questeur. Donc on laisse le soin au groupe Tahouera de rentrer ça dans son projet d'amendement. Donc ça fait 7 personnes. Non, c'est Mme Boutot qui avait proposé justement qu'il y ait 3 questeurs. Monsieur le Président, voilà. Voilà, nous avons un amendement, Monsieur le Président, nous avons... Madame Armelle Merceron. Nous avons effectivement un amendement pour l'article 29, c'est notre amendement numéro 16, qui devait être présenté, qui doit être présenté par Madame Tahou Atama, et qui prévoit toutes les modifications que Monsieur le ministre vient d'indiquer. Alors on va laisser peut-être Madame Juliette Tahou Atama, Madame Juliette Tahou Atama le soin de présenter ce projet d'amendement, tout en sachant que c'est un article qu'on va réserver pour les raisons qu'on sait tous. Vous avez la parole. Tu l'avais, toi? Oui, Monsieur le Président. Donc, on revient à l'article 29. On est à l'article 29, ça? Oui, alors, au premier alinéa, le terme 6 est remplacé par 7. Au troisième alinéa, le terme 2 est remplacé par 3. Et j'aimerais qu'au quatrième alinéa aussi, hein, parce qu'on ne peut pas les séparer, là, le terme 2 ans, hein, est remplacé par 16 mois. Ah, il y a peu perdu, Monsieur le Président. Je relis.
faut que la toile d'araignée qu'on tisse ressemble à une vraie toile d'araignée. Moi, ce que je vous propose, voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est que comme vous avez l'initiative du projet de sous-amendement ou d'amendement là, à l'article 29, vous essayez de mettre en place tout ça, en essayant de retirer le quatrième alinéa, là, la modification quatrième alinéa, et on est tous d'accord. On a anticipé et on s'est déjà en très bien. Donc, on revient à l'article 30. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Ah, excuse-moi. Oui, vous avez la parole. Concernant le quatrième alinéa de la proposition qui est faite par Madame Juliette Tahou-Otama, le terme de 2 ans est remplacé par 16 mois. Ce n'est pas notre position. Hein. Ils vont retirer. On est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord. Bon, on poursuit. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 30. Même si vous avez relisé, s'il vous plaît. Les séances des commissions ne sont pas publiques. Seules peuvent y assister les personnes qualifiées invitées à participer aux réunions. Merci. Alors, au titre de cet article, un amendement a été déposé par le groupe UPLD et donc je demande à son rapporteur d'en donner lecture. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous proposons de modifier cet article de la façon suivante. Au lieu de lire « Les séances des commissions ne sont pas publiques, seules peuvent y assister les personnes qualifiées invitées à participer aux réunions », nous proposons l'écriture suivante. Les séances des commissions ne sont pas publiques. Le règlement intérieur déterminera les conditions dans lesquelles des personnalités extérieures pourront participer à leurs travaux. Merci. Je pense que l'Assemblée sur sa recevabilité, ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Aucune intervention au titre de ce projet d'amendement. Donc je mets au voie le projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 30 amendé. Les séances des commissions ne sont pas publiques. Le règlement intérieur déterminera les conditions dans lesquelles des personnalités extérieures pourront participer à leurs travaux. Merci. Plus de discussion au titre de cet article. Donc, je mets aux voix l'article 30 amendé. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc, je propose au rapporteur de donner lecture de l'article 31. Le droit de vote est personnel et ne peut en aucun cas être délégué. Les décisions de l'Assemblée plénière, du bureau et des commissions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par pour ou contre, sauf disposition réglementaire contraire. Dans tous les cas, en cas d'égalité des voix, le vote du président du Conseil économique, social et culturel est prépondérant. En cas d'absence du président du Conseil économique, social et culturel, le vote du président de séance est prépondérant. Merci. Un amendement ayant été déposé au titre de cet article, donc je demande à son auteur, Madame Emma Algon, de bien vouloir nous en donner lecture. Madame Lana Tetouanoui. Merci, Monsieur le Président. Les dispositions du troisième alinéa sont rédigées comme suit. Dans tous les cas, autres que ceux prévus aux articles 17, alinéa 3 et 18 ci-dessus, en cas d'égalité des voix, le vote du président de séance est prépondérant. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Madame Lana Tetouanoui. Oui, merci, Monsieur le Président. Comme cet amendement est lié un peu aux articles 17 et 18 qu'on avait mis en réserve tout à l'heure, nous proposons aussi d'attendre pour avoir notre position sur les articles cités dans l'amendement ci-dessus qu'on est en train d'étudier. D'autres interventions? Plus d'interventions.
Il y a une proposition, c'est de réserver ça au vote de l'article 17 et 18. Bon, ben on réserve. Donc l'article 31 est réservé au vote de l'article 17 et 18. Donc je propose au rapporteur de donner lecture de l'article 32. Oui, monsieur Jean-Christophe Bisson. Monsieur le Président, juste une question à notre ministre pour qu'il puisse nous éclairer un tout petit peu sur la rédaction du deuxième alinéa. Puisque entre la proposition de rédaction qui avait été faite par l'ancien gouvernement et cette proposition-ci, ont été ajoutés les mots « sauf disposition réglementaire contraire ». Alors je voudrais avoir des précisions là-dessus, par du principe que les décisions de l'Assemblée plénière sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf disposition contraire. Alors j'aimerais bien connaître les dispositions contraires à un vote pour ou contre sur un projet. Ce texte. Merci, monsieur le ministre. Oui, je crois, monsieur le président, cela peut également avoir trait justement au vote au niveau du président. Et c'est un terme général qui peut renvoyer à d'autres dispositions ou des situations de vote particulières. Sont rappelés en la matière. Il fut un débat au CESC pour savoir, jusqu'à présent, laisser la proposition qui est donc apportée entre le pour et contre, parce qu'on s'est beaucoup posé la question à l'époque, savoir est-ce que le vote, il fallait uniquement décompter le vote positif et non pas les abstentions. Il y a eu un débat de fond au CESC, qui n'a pas trouvé de réponse ou dans le règlement intérieur, et ensuite on s'est... Dans la réflexion, on s'est dit, mais attention, il y a des votes particuliers, et s'agissant de décisions de l'Assemblée plénière. Et toute décision, y compris le vote du président, qui obéit à un caractère particulier, les membres du bureau. Parce que là, ça ressemble, donc ça reprend toutes les décisions. Toutes les décisions de l'Assemblée plénière sont exprimées par un vote. On a donc réservé ça, justement à cause des autres articles pour l'élection du bureau du président, notamment. Mais c'est pour justement permettre qu'il n'y ait pas une situation de blocage par rapport au vote particulier. Bien. D'autres interventions? Plus d'interventions? Donc je mets aux voix le projet d'amendement, ceux qui sont pour. Ah oui, excusez-moi. Donc on poursuit. Donc je demande de donner lecture de l'article 32. Le Conseil économique, social et culturel adopte son règlement intérieur sur proposition du bureau. Ce règlement complète les modalités d'organisation et de fonctionnement prévues par la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 précitée et par les délibérations prises pour son application. Merci. Un projet d'amendement ayant été déposé, donc je demanderai à M. Jacques Brion de bien vouloir nous en donner lecture. Monsieur le Président, chers collègues, le groupe PLD propose de modifier le deuxième alinéa de cet article qui est écrit de la manière suivante. Ce règlement complète les modalités d'organisation et de fonctionnement prévues par la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004, précité par les délibérations prises pour son application. Nous proposons l'écriture suivante. Ce règlement complète les modalités d'organisation et de fonctionnement prévues par la présente délibération. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Monsieur Jacques Ibri. L'explication, il tient au fait que nous devons repenser et qu'il serait très délicat de permettre au CESC, qui n'est pas investi du pouvoir réglementaire, de compléter directement par son règlement intérieur les dispositions de la loi, alors que seule notre Assemblée a ce pouvoir. Donc il semble préférable de limiter la portée du règlement intérieur en lui laissant le soin de préciser la délibération qui institue le CESC.
Merci. Plus d'autres interventions au titre de cet amendement. Donc je mets au voie le projet d'amendement, ceux qui sont pour. À l'unanimité. Donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 32 amendé. Le Conseil économique, social et culturel adopte son règlement intérieur sur proposition du bureau. Ce règlement complète les modalités d'organisation et de fonctionnement prévues par la présente délibération. Merci. Je mets au voie l'article 32 amendé. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc, conformément à nos discussions préalables autour de l'article 16, 17, 18, les techniciens se sont réunis et donc ils ont proposé un amendement qui va nous être présenté par Mme Nicole Bouteau. Et je vous demande pour cela de revenir à l'article 17. Donc je demande juste l'accord du gouvernement pour accepter l'amendement déposé après l'ouverture de la discussion générale. Il n'y a pas de problème, monsieur le ministre. Très bien. Donc, je peux demander à Mme Nicole Bouteau de présenter son projet d'amendement. Merci. Merci, monsieur le président. Effectivement, compte tenu des remarques qui ont été faites par monsieur Jean-Christophe Buisseau sur l'article 16 amendé et les articles suivants, il est proposé, en fait, tout simplement de supprimer l'article 17. Alors, je conclue de l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc, la discussion est ouverte. Je pense qu'on a épuisé le débat sur ce sujet. Donc, je propose de mettre l'amendement en voie. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc, dans le cadre de cet article, il y a un projet de sous-amendement également qui a été présenté, que je demande également au rapporteur, Mme Nicole Bouteau, de bien vouloir nous donner lecture. Merci. Eh bien, en fait, pour les mêmes motifs que ceux présentés pour l'amendement précédent, il est proposé également de supprimer l'article 18, en sachant que le dernier alinéa de cet article 18 pourrait en fait être repris dans le règlement intérieur de l'institution. Merci. Voilà, merci. Bien entendu, la numérotation des articles suivants du projet sera modifiée en conséquence. Donc, je concède l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet de sous-amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. La discussion est ouverte. Je pense qu'on a épuisé également la discussion sur ce projet de sous-amendement. Donc, je mets au voie le projet de sous-amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 18. C'est supprimé. Donc, 17 et 18 sont supprimés. Donc, vous prenez note que dans le projet de sous-amendement, on renumérote dans tous les autres articles. Donc, pour éviter qu'on se trompe dans la numérotation, bien que dans l'esprit on renumérote, je vais vous donner l'ancienne numérotation.
Je vous propose de revenir à l'article 33 pour poursuivre nos travaux et je demande au rapporteur de bien vouloir nous en donner lecture. Article 33. Tout membre du Conseil économique, social et culturel participant aux séances d'assemblée plénière et aux séances de commission auxquelles il est inscrit perçoit pour chaque séance une indemnité de vacation égale à 16 fois la valeur du point d'indice de la fonction publique de la Polynésie française. Le montant cumulé des indemnités de vacation est limité trimestriellement à un montant égal à 632 fois la valeur du point d'indice de la fonction publique de la Polynésie française. Les indemnités de fonction du président du Conseil économique, social et culturel et des questeurs et les majorations de rapporteurs ne sont pas incluses dans ce cumul. Merci. Donc, deux projets d'amendement ont été déposés au titre de cet article. Je demanderai à son auteur de bien vouloir nous en donner lecture par l'amendement numéro 18. Alors, Brittany, et on va passer au sujet qui fâche. Et effectivement, l'amendement numéro 18 et l'amendement numéro 19, toujours pour l'article 33, sont concernés. D'abord pour le numéro 18. Au premier alinéa, les termes égal à 16 fois la valeur du point d'indice de la fonction publique de la Polynésie française sont remplacés par de 15 000 francs pacifiques. Et vous voulez que je lise aussi l'amendement? On fait uniquement ça? Oui. Et parce qu'il faut que je consulte l'Assemblée sur la recevabilité, ensuite la discussion. Donc je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement numéro 18. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Monsieur Noir Tétonou. Madame Prétini, la référence à la valeur du point d'indice de la fonction publique pour prévoir une révision automatique du niveau de l'indemnité de vacation n'apparaît pas justifiée. S'agissant des fonctions en cause qui ne sont pas exclusives d'autres et qui s'effectuent ponctuellement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on lit tout l'article 33, et notamment au niveau des indemnités, nous avons d'abord les indemnités d'abord pour la présence déjà dans les commissions, etc., qui passent de 11 000 à 15 000 francs. 11 000 à 15 000 francs, ça fait une augmentation de 36%. Je vais lier cet amendement avec le deuxième aussi. Et au niveau de l'augmentation par trimestre, les représentants, enfin les conseillers auront, avant c'était 450 000 francs, avec la nouvelle proposition du gouvernement, on passerait à 600 400, c'est-à-dire une augmentation de 33%. Cela fait, en grosso modo, avec un plafond de 450 000 passant à 600 400 000, un plafond mensuel qui passerait de 150 000 francs à 200 133. Voilà. Donc, pour le premier point, c'est-à-dire pour l'augmentation de 11 000 à 15 000 francs, on garderait le 15 000 francs pour refléter un peu plus sur des chiffres réels et non pas qui soient imputés sur les indices. Voilà. On peut discuter dessus, on peut revoir à la baisse jusqu'à 11 000, on peut revenir à 11 000, mais le plafond, si on regarde bien les deux amendements, c'est qu'on maintient le plafond de 450 000, on ne suit pas la proposition du gouvernement qui est à 600 400 000 balles, on maintient 450 000, à la rigueur, on peut monter notamment les indemnités de présence pour les commissions à 15 000. Maruru. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je rappelais tantôt que les indemnités du CST ont été fixées il y a déjà bien longtemps
et qu'auparavant elles étaient d'ailleurs indexées sur la valeur du SMIC, un douzième, bien avant ça. C'est vrai que là, il est demandé, donc vous l'avez tous reconnu, qu'il faut reconnaître le travail des conseillers, le permettre. Alors, d'un côté, on me fait dire, d'accord pour 15 000 francs, non plus la référence à la valeur d'indice, pourquoi nous avons retenu et proposé la référence au point d'indice de la fonction publique, pour justement éviter ce que n'a connu pas le passé, le gel, j'ai maintenu. Je sais que le débat des indemnités ne date pas d'aujourd'hui, il remonte déjà à 8 ans, 10 ans. Alors, d'autre part, maintenant, si on fige la situation du plafond trimestriel belle à 450 000, la réalité va être toute simple. Une fois que les conseillers vont atteindre les 450 000, ils ne vont plus venir siéger. Parce qu'ils se disent, ben, c'est plus la peine. Alors, faut-il donc revenir à 11 000 pour qu'ils fassent le nombre de séances pour arriver à 450 000? C'est cela aussi. Je crois que véritablement, on veut qu'ils siègent. Et qui siège tout le temps. C'est très difficile de jouer sur ces deux curseurs, il y a une logique. Sinon, il faut rester dans la situation actuelle et antérieure et leur dire, à 11 000, ça fait combien de séances que tu vas atteindre, et jusqu'au trimestre. On ne peut pas d'un côté dire 15 000, il va se dire, tiens, eh ben, au bout d'un mois, un mois et demi, ça y est, j'ai fini, je ne vais plus. On risque d'avoir le débat financier qui va être transmis comme ça. Ce n'était pas le but. C'était d'abord reconnaître le travail et leur attribuer, parce qu'il y a eu un gel des indemnités de la vacation. Je rappelle qu'on est toujours dans le cadre vacataire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un regard en disant, ça y est, voilà des conseillers qui vont recevoir financièrement. L'enveloppe budgétaire a été prévue. Nous voulons revaloriser leur travail. Il faut suivre une certaine logique. Si le débat de l'Assemblée, c'est de dire, non, les conseillers ne peuvent pas s'abroger ce droit, avec un maximum de 200 000, s'ils sont présents pendant les séances et toutes les vacations, je crois que le débat vous appartient. On ne peut pas d'un côté dire, oui, il faut améliorer le cadre d'indemnité des vacations, et dire, attention, vous limitez trimestriellement. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont remplir le maximum, et puis ils vont dire, j'arrête, même si le trimestre n'est pas fini. C'est à double détente. La volonté du gouvernement, c'est de reconnaître cette institution, de donner quelque peu les moyens. Ensuite, le débat viendra sur le président et le questeur. Il est vrai que dans la proposition initiale du Taoré, il avait prévu 15 000 francs, en restant 450 000. Je reconnais. Mais, d'autre part, le président, lui, recevait 200 000. Et les questeurs, 60 000. Alors, comment voulez-vous voir la représentation, la reconnaissance du travail du CSC? C'est toute la question. Je crois que la proposition que fait le gouvernement, c'est dans le cadre d'une enveloppe budgétaire, dans le cadre d'un encadrement budgétaire. Il n'y a pas de risque de dérive. On applique nos précautions. Mais c'est vouloir véritablement valoriser. Il m'est difficile de dire au conseiller demain matin, vous avez 15 000, mais regardez donc l'avis du CSC que vous avez tous. Vous voyez qu'ils ont proposé que le plafond trimestriel atteigne des niveaux beaucoup plus hauts. Là aussi, au gouvernement, nous avons estimé que la demande, pour ainsi dire, de libération de ce plafond était trop exagérée. Mais il est normal qu'ils reçoivent, parce que depuis le temps qu'ils attendent cette revalorisation, et c'est véritablement pour valoriser le travail et la présence de ces personnes. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui vont venir des archipels. Vous savez, lorsqu'ils vont voir 450 000, ils vont atteindre le curseur, ils vont dire « je viens plus ». C'est cela aussi, matériellement. C'est pour cela que nous proposons et une valeur de 16 fois et justement le plafond. Mais tout ça, comme je le rappelle, dans le cadre d'un budget encadré et maîtrisé. Merci, Madame Armelle Merceron. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais dire que nous avons déjà exprimé l'idée qu'il ne s'agit pas d'une activité rémunérée à proprement dite, donc il faut prendre des précautions pour qu'on n'ait pas le sentiment qu'on se rapproche d'un statut de salarié, un statut de fonctionnaire. La deuxième chose, c'est que nous sommes tout à fait d'accord avec la revalorisation. Et tout à l'heure, Moat Etoanoué a indiqué que le calcul faisait 36% d'augmentation. 36% d'augmentation,
Certes, l'augmentation, il n'y a pas eu d'augmentation depuis 1995, mais faites le calcul, ça correspond approximativement à 3,6% par an. Vous connaissez beaucoup de situations où on a augmenté de 3,6% par an des indemnités. Donc, c'est une augmentation substantielle. Nous sommes d'accord, et c'est un élément de revalorisation, mais nous maintenons l'idée qu'il ne faut pas indexer cela sur une situation de travail salarié, de fonctionnaire, pour bien faire apparaître la différence. Et tout à l'heure, dans vos propos, j'avais l'impression, et c'était un petit peu gênant pour les membres du CESC, qu'ils ne venaient travailler que si ils gagnaient quelque chose. On nous a dit pourtant qu'un certain nombre d'entre eux pouvaient quelquefois venir, même s'ils avaient dépassé leur quota. Ce qui montre bien que ce sont des personnes qui fonctionnent aussi en tenant compte de l'engagement et de la responsabilité qu'ils ont. Par ailleurs, il est indiqué, il me semble avoir entendu que le travail du CSC était sur 9 mois, puisqu'il y avait un temps d'arrêt. Et ces 9 mois pouvant s'étendre sur 4 trimestres, puisqu'on travaille par trimestre, on peut très bien imaginer que ce calcul, finalement, ne les amène pas à la limite maximale de 150 000 francs que nous proposons. Donc, nous maintenons nos observations et notre amendement, notamment donc de déconnexion par rapport à l'indice, qui est de 950 francs à l'heure actuelle. Merci, Monsieur le Ministre. La référence à l'indice de la fonction publique, c'est justement qu'on n'est plus une situation de gel. C'est uniquement pour ça. Sinon, il faut se reposer la question. Et le passé nous a montré que... Mais je crois qu'on s'est beaucoup expliqué là-dessus. Lorsque je dis qu'effectivement, il y a des membres qui viennent travailler en dehors des commissions et des séances, notamment les rapporteurs qui font de même, et c'est tout à fait louable, mais on n'est quand même pas aussi à l'abri. Je crois qu'à un moment donné, si... Je ne peux pas m'en garantir que tout le monde, au moins ne poussons pas les gens vers cette tentation. C'est cela un peu la réalité. Et ça, c'est le vécu. C'est le vécu. Alors maintenant, quel curseur pour le plafond? Dans la proposition qui est faite, c'est dans le cadre d'une enveloppe budgétaire. Et ce serait donc, et je vous l'avais dit, maintenant c'est à l'Assemblée de voir comment valoriser, comment reconnaître. Je crois que c'est quand même important ça aussi. Pourquoi? Monsieur Jacques Ibrian. Il nous avait semblé ultérieurement que le groupe d'Ahouera nous reprochait de ne pas suffisamment valoriser les rapports qui étaient produits par le CESC et notamment le besoin de rendre public les avis. Donc nous avons accompagné l'idée qui nous avait été suggérée de valoriser les rapports en les publiant au journal officiel. Nous sommes dans la même logique. La logique est de reconnaître le travail qui est effectué par les membres du CESC. Et c'est d'autant plus une nécessité puisque cette institution va apporter des réflexions à l'intérêt supérieur du pays. Est-ce que c'est si cher payé des personnes à qui l'on va demander des avis dans le cadre de l'intérêt supérieur du pays? Et c'est la problématique qui nous anime dans cette démarche. Merci. D'autres interventions? Madame Nicole Bouteau. Oui, je voulais indiquer et rappeler surtout que dans le cadre de la discussion générale, j'étais également intervenue sur ce point, estimant l'augmentation de la rémunération des indemnités, à mon goût, trop importante. Maintenant, c'est vrai que je ne me suis pas penchée dans des calculs et trouver le juste milieu n'est peut-être pas facile. Je note tout de même que la proposition du gouvernement est quand même un peu plus modeste que celle qui était proposée par le CESC, où là, j'ai un peu sauté au plafond, puisqu'on avait un plafond à 900 000 francs. Donc,
c'est vrai. Je ne sais pas si on peut trouver un juste équilibre entre tout ce qui a pu être proposé, mais l'augmentation de 36% est importante. Merci, Monsieur le ministre. Quel que soit l'équilibre, c'est d'abord l'appréciation de la valorisation de la vacation. Qu'on soit 16 fois à 600 000 ou 15 000 et 450 000, ce qui va apparaître, c'est de 11 000, 200 et 15 000. Et c'est là que le tout se fait, de toute façon. Je crois que c'est un débat de fond. Il s'agit de la quatrième institution. À l'heure actuelle, le budget des indemnités du fonctionnement, ça vaut 108 millions. Avec les mesures qui sont préconisées, le nombre de membres dans les commissions, je vous avais dit tantôt, l'augmentation en termes annuels de ce budget sera de 20 000 francs, pour également couvrir 20 millions, pour également couvrir les déplacements. Voyez donc l'agriculteur qui va venir des Australes, qui lui, il va venir une fois qu'il va faire son plein, je dirais entre guillemets, de 450 000. Pensez-vous qu'il revienne? Honnêtement. Pensez-vous qu'il va revenir? Celui des Tuamotu, celui des îles sous le vent. C'est eux qui vont se sentir floués quelque part. C'est pas ceux d'ici. C'est surtout les personnes éloignées, ceux dont les revenus ne sont pas assurés. Et c'est à eux qu'on refuserait de venir siéger au motif qui peuvent toucher 150 000 en plus pour terminer le trimestre. Je pense que on peut leur accorder cela, d'autant qu'on est dans un encadrement budgétaire. C'est ça aussi la réalité de ce qui va se passer. Je comprends bien le débat, les augmentations, les pourcentages, mais regardez, il y a des personnes qui vont venir des îles éloignées, qui à un moment donné, tout naturellement, même s'ils ont le sens du devoir civique, de la responsabilité, ils vont se dire... Bon, ben moi je viens, mais j'ai plus d'indemnité, je suis au deuxième mois du trimestre. Je crois pas de lui-même qui va se dire, bon, je vais me déplacer. C'est ça aussi la réalité. Merci Jean-Michel Carlson. Oui, merci. Non, je voulais faire rappeler à chacun d'entre nous que nous, notre indemnité en tant que représentants, est indexée à l'indice de la fonction publique. Et il serait très... hypocrite de notre part de ne pas faire autant pour ceux, pour les conseillers du CESC. Merci, Madame Armelle Merceron. Je crois que M. Temori Foster avait levé le doigt avant moi. M. Temori Foster. Merci, M. le Président. Mon intervention vise plutôt un point d'interrogation sur, effectivement, le souci, pas vraiment sur l'indemnité qui est allouée, mais sur ma question à notre ministre, c'est de savoir sur quels critères il a calculé les 600 000 francs. Et par rapport aux 16 000 ou 15 000 francs qui est déterminé par séance, par participation en séance, et cela représente combien de réunions par trimestre, en fait, pour arriver à ce chiffre-là. Si mon inquiétude, c'est de rebondir sur ce que vous disiez tantôt. Si le CSC multiplie son activité, un exemple, et qu'il dépasse même la prévision telle que le gouvernement le propose, quelle va être notre position et est-ce que ça ne va pas susciter une revendication de la part des membres du CESC, parce que ils vont estimer à ce moment-là qu'ils travaillent plus que d'habitude et qu'il va falloir augmenter le nombre de le plafond, parce qu'il faudra en fonction des réunions supplémentaires qu'ils vont faire pendant la durée des 3 mois. Rajouter une enveloppe supplémentaire? Est-ce qu'on a balisé à ce niveau-là? Ou est-ce que, justement, il faut fixer un plafond et peut-être à partir de ce moment-là, réduire
réduire de manière cohérente le montant de la participation à chaque séance, de manière à ce qu'il y ait une marge de manœuvre pour que ça dépasse pas le plafond. Donc, est-ce que les 16 000, enfin 15 000 ne sont pas trop par rapport aux 11 000? Je dis le plafond, c'est peut-être un bon chiffre qui est choisi, mais si la participation par réunion est élevée, il va vite bouffer le plafond. Donc c'est peut-être là qu'il faudra être cohérent aussi. Donc je suis d'accord, hein, parce que ce problème, c'est une gymnastique que nous ne maîtrisons pas, parce que la saisine du CSC, on ne sait pas. On ne sait pas quel est leur rythme en fait, et quel est le rythme qui leur sera imposé par les dossiers que le gouvernement va leur envoyer. Donc, c'est là où la difficulté, à mon avis, se pose. Merci. Monsieur Nouaté-Kouanoui. Je vais peut-être attendre que Patrick vous réponde et puis. Hein? Alors. Madame Armelle Merceron. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais rappeler à Monsieur Jean-Michel Carson que à nous qui sommes salariés, nos indemnités à l'Assemblée se remplacent celles que nous avions avant. Donc, ce n'est pas cumulatif. Tandis que au CESC, les personnes qui ont un statut de salarié cumulent leur salaire normal, plus les indemnités. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même situation. Ensuite, je voudrais également dire qu'on n'est pas dans une situation de négociation salariale. J'ai eu l'impression, en entendant tout à l'heure le ministre, qu'il essayait de convaincre comme si on était dans une négociation salariale. Et troisième chose, j'ai calculé que, compte tenu du fait que les conseillers sont 51, qu'il y a 4 commissions avec un maximum de 24 personnes, ça fait 96 places. Ça veut dire qu'en moyenne, chaque conseiller ira dans 1,88, mettons 2 commissions. Hein? Donc ça l'occupera déjà, mais avec un plafond de 450 000 francs, il aura pour atteindre ce plafond un rythme de 10 réunions par mois. Donc c'est déjà une activité non négligeable. Hein? Donc je pense qu'avec un plafond de 450 000, ça indemnise une activité non négligeable. Et enfin, de réunion de 1h30 hein, seulement, puisque c'est par 1h30, pas plus. Vous avez vu par rapport à nos journées. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que nous, on n'a pas à raisonner par rapport à un cas particulier. Nous avons aussi un rôle important puisque nous voterons le budget du CESC, nous votons le budget de l'ensemble de la Polynésie. Il faut donc aussi que nous ayons une attention à la maîtrise des dépenses. Et moi, il me semble que c'était un de vos credos de maîtriser les dépenses. Or là, j'ai l'impression qu'on va très vite. Si on accorde comme ça aussi facilement, c'est un petit peu inquiétant. Je vous donne un exemple, s'il faut redevenir un peu politique. J'ai entendu qu'on a éteint une grève naissante à TNTV en accordant des conditions qui sont quand même intéressantes, j'imagine, pour les salariés. On ne nous a pas dit combien ça allait coûter, mais je rappelle que TNTV est une télévision qui est quasiment entièrement financée par les finances de la Polynésie. Autrement dit, il est certain que cela va se traduire par une augmentation des subventions à TNTV. Je ne sais pas de combien, mais c'est ça qui nous inquiète, c'est qu'on ne sait pas de combien cela va être. Donc, il faut faire attention. Si on dépense ici et là sans faire attention, on risque très vite de ne plus pouvoir faire face. Et ça, c'est votre responsabilité. Je vous le rappelle. Hein. Donc,
C'est gentil d'être généreux, c'est facile d'être généreux. C'est plus difficile d'avoir une position de dire « Attention, soyons de bons gestionnaires. » Merci, Monsieur le ministre. J'ai l'impression de, on veut me donner une leçon. Je ne suis pas venu ici pour négocier au nom des futurs membres du CESC. Je n'ai pris aucun engagement, moi. Simplement, ce dossier de la revalorisation de l'indemnité, il a été combien de fois sollicité auprès de votre gouvernement? Et j'ai vu tous les présidents successifs du CESC, tous, demandant à chaque fois. Et à chaque fois, on leur disait, oui, c'est possible, attendez encore un peu, ou alors, je suis d'accord. Et le ministre des Finances, ah ben non, vous savez, l'imputation. Soyons clairs, vous souhaitez qu'il reste dans l'état actuel? Allez-y. Mais je trouve qu'il était dommage. C'est un dossier qui est porté depuis plus de 10 ans. Tous ceux qui ont occupé la fonction de ministre chargé des relations, annuellement, quand le président du CESC est élu, allaient voir le président et le ministre en disant « et les indemnités ». Mais tous les gouvernements successifs, nous sommes d'accord, mais jamais d'acte. C'est cela aussi qu'ont voulu rappeler les membres du CESC. Je vous propose une situation, je vous dis que nous avons un engagement de maîtrise. Vous me croyez pas. Je suis pas fou. Je sais également quels engagements à tenir. Vous me parlez de TNTV. Je ne croyais pas que ça va avec le CESC. C'est toujours mieux que les contrats fictifs payés par TNTV. Hein. Merci, M. Jacques Briand. Oui, je suis très surpris des dérapages contrôlés que l'on vient de nous faire dans la démonstration de la théorie de la générosité. Dérapage pour dérapage, la générosité aurait dû poser la question pourquoi Tianmanuraro a coûté autant d'argent au territoire pour des amis. Mais la question d'aujourd'hui qui est posée, ce sont les indemnités de nos représentants au CSC. Alors, de grâce, restons sur le sujet. Très bien, M. Noatetonoui. Marou Pétin. Fatrihaou, il faut se rappeler d'abord de la logique qui a été entreprise par les conseillers territoriaux depuis un an. C'est-à-dire maîtrise des dépenses, pas d'augmentation. Donc les conseillers se sont serrés la ceinture pour suivre cette logique. Bon, il y en a qui ont râlé, c'est normal. Parce que en 2001, il y avait une augmentation de à peu près 15% des indemnités. Il y en a qui étaient contents, il y en a qui n'étaient pas du tout contents. Parce que au vu de ce qui se passe au niveau de la population, c'est très difficile, notamment pour les syndicats. L'année dernière, la logique a été entreprise. C'est-à-dire que malgré une augmentation du nombre de représentants, on est resté dans l'enveloppe. C'est-à-dire l'augmentation de 15% ça a servi à financer des frais supplémentaires, un budget supplémentaire notamment pour les nouveaux représentants. Donc en fait, c'est que si on prend un petit peu la depuis 1996, il n'y a pratiquement pas d'augmentation. C'est dans cette logique-là, Fatrihaou. On est resté, l'UPLD a soutenu, a même motivé cette voie, cette forme d'économie, et tout en pensant à notre population. Et donc aujourd'hui, l'UPLD propose une augmentation de 36%. C'est le choix du gouvernement. C'est un choix. Le gouvernement a choisi d'augmenter. C'est votre choix de passer de 450 à 600 000 balles. C'est votre choix. Mais nous ici, on veut garder cette cohérence depuis l'année dernière, qu'on reste à 450 000. Maintenant que chacun se prononce, se positionne sur cet article. Marou. Merci, Monsieur le ministre. Amandant de l'eau, il y a eu mon tête de Marianne. Ramok, ou ma équipe de faire aïe. Je ne sais pas si tu es là, 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 tu
trazia ni ai hare rua turi tu te per hei ya par hei no tu uto fa hoi mai te ye moniraro ai tara te ye momere uite te ye puma tu tu jarau i no hi te ye hipa wa mo e ia rato no te dia i te nei wo tano to ho atara to ye hamara to ia trazia ni ra ya tra to i ha pet parau no te me wa mo e hi te ye mo fea e te ani ni yo te per hei a turu te ani ra no te mea te weira tō tātou mō tātra nātou te mōmutu e hare rō mai e whai te tō rātou mō nō uri tō te iepū matutu te aro. Maruru. E maruru mai te i whatrehau. Anan tamara mō bīpā. Maruru pritutene. Te mere ne hu te te ara a e te mō prapraua matara mai nātou e te mō tia o te mōmutu tā ue praura. Hamana ora pei wai a tātou i te mō mana e meri ane. Tēnā ora pei o tō ue, te iharenei mei o tō inei, mea moni te ora rā inei. Ki tauhia ia o tō i paemi te te wahi whaear anu o tō. Ki tauhia ia o tō i hare tāma ai rito i te mou restaurant. Tra, nā roto mai tō o tō mou waha te hare rā mei te ia prau. Nōria te prau ne ia ue, e tono nā o tō e turu te ia whanho rā, nā te mō mutu. E ia o tō rito i te mō mutu, e piti e huru. E tano nā o tō e turu, no te mea i hare mai tō te mamutu, tō tō mō te e no te mamutu, i a o rātou i te whānau rātā o tō e whātātā tō e whānau i te imana. Nō ria, mai te peu e o tō te mō te e o te mamutu, e tō e turu i te tāpura hipa, a te hepo hepo nei i a wau, nō rātou, tā noa, maruru. Eru, tō mana hope a peri te tini, te tei whahi ora i tā uprau-prau, tō mana o e... to oto hepo hepo i te rewa i tā oto moni a wai hana mai nei, no te mea haru oto tu te mea nai whare tām ara haru oto tu te o tera. Waha amara apai oto i tā oto and then ni te mahana mairi, te matai te meri anei, to oto wei rā oto nā e piti huru, hamara a oto e piti nā nye shou. Wahare roi nye 120 mil fron pai te apai. E, tā urai mēre, mātou pai mututua mātou, o moorea mā, e mututua, tā oto o hipa mātā mō i rāwe, tātara oto i a mātou i rāpē, tra. No atu tātara oto i a mātou, ai te tā mātou hepo hepo rā. Tā unua rā anira i a tātou te mamutu, aturu i tra tāpura o hipa, no to tātou mō te e nāt mutu mai. Maruru. President, Monsieur Foster. E te tini maruru mai te ei te iman o tō tātou nei tuahine tamara. E tina roro o e pro i tātou e haran e en e shetra ni a. Patap e a te tā e a. Yo tō i te mō pra ati a no te mō mutu mai. E te mō ti a no ine. Hara i a tātou ni e shetra prau, te turura mātou. Ai te o prau rai te mātou e turura. Te i a te tā e a. Tā oto ya ni meira, ya ni re oto. E hamana ni e shetra whanhora ai te i a tō te mō mutu e whanō. Whoroa ia te tā e rā, i roto i te mō mero, i roto i te inei whare matututu te arau, me tā e whanhora tō te mō mutu, e me tā e tō inei, te whare ira, te whare i dure trāna ira, whanhora i e trāpura i te inei, maruru. Maruru, wana o pāiano pātātō ni te irawato uhuru matur, i ni tu e trāna i a tō āti tātō ni taua irawā, hare tu e mua. Madame Armel Messeron. Oui, pour revenir, merci Monsieur le Président, pour revenir au sujet, qu'il soit clair, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe, nous sommes d'accord pour la réévaluation à 15 000 francs, ce qui correspond à une réévaluation de 36%. Par contre, ce que nous souhaitons, c'est que dans le futur, ce soit déconnecté de l'évolution de l'indice des fonctionnaires, d'autant que nous les avons vus tout à l'heure, à peu près tous les 4 ans, il faudra peut-être 6 mois avant le renouvellement des mandats du CESC que l'Assemblée se penche sur peut-être l'éventualité d'une modification de l'image de la représentation donc de la, et à ce moment-là, ce seront des choses qui pourront être revues au cas par cas. Et par contre, nous maintenons l'idée de limiter un plafond de 450 000. Madame Chinfo. Merci, Monsieur le Président.
la quatrième institution à qui on veut donner un budget de 104 millions plus 20 millions pour 51 membres, avec l'institution que représente l'Assemblée, qui est la deuxième institution. Je ne veux pas dire à nous tous combien cette institution, avec quel budget cette institution fonctionne. Plus de 2 milliards, je pense. Alors, entre 120 millions, 124 millions et plusieurs milliards, soyons un peu plus humbles. Et je retiens les paroles de M. Floss à une époque où il disait donc pour l'augmentation des indemnités des ministres et des représentants donc, de l'Assemblée. Tout travail mérite salaire. Et je pense que nous devons accepter donc, cette augmentation qui, en fin de compte, ne représente que au plafonnement 200 000 francs par mois, plus de, donc, de 15 000 francs par vacation. Hein, et on demande donc l'indexation avec l'indice de la fonction publique pour ne plus revenir à augmenter donc, au bout de 10 ans, donc d'un coup, à 30 et quelques pourcents. Merci de m'avoir écouté. Merci, M. Jacques Brion. O te rawe te tei amara ui te o tōna i uno e no te mea e ua whaorehi a tā rātou. E re ona ti amuamu o Lucet o ti amuamu. Ai te mātou i tua tāpapa tō tātou man au ni aiso i te i parau. E aiso nei, ai tu o i ho o te man au pātui ni aiso i te aratai rau te nei whanhora. Ta unu e iuwi, e me te mea no atu e wanumerahi e anei, e me nga whera, e tānei tramuni e mhutana ni eiso i te muni fofa amui o te whirurihi anu te e tapura, a orera aita. Me te mea e nenhe e mhutatu inia, e hito i a tātou te muni e horo ahia e rutoi te maururu rā, e whiruri tātou ki ngā nei te hia whaito, te moni e tano, e horoa, inu taihora e piti tautini e piti hanere whanau, 11,000 francs, c'est ça, donc là on passe à 15,000, est-ce que c'est pas entre les deux,
et qu'il faut trouver la solution pour ne pas percer le plafond qui va être 6, si le plafond est fixé à 600 000 francs, est-ce que ce plafond ne sera pas transpercé, si on veut dire, si on est à 15 000 ou si on est à 15 000? Et si c'est le cas, le problème va se poser à nous. À nous, suite aux revendications qui émergeront des membres du Conseil économique. À savoir qu'ils travaillent trop, les indemnités prévues ne sont pas suffisantes puisque les réunions se multiplient en fonction du travail qui leur seront imposés. C'est là mon inquiétude, c'est tout. Hein? Mais à aucun moment j'ai dit que j'étais contre cette idée. Merci, M. Mayran Latawa. Maruru Bekten, Harur Onwaru et Moumoun Anto Ehare. Me hururu atara tua tapapar a miau a minei. E te mono ne eu e ki te tei ki ora atu pair hei. E turu rur te rā mana ato tātou whaterehau. Ai tui mono au e ua hi ono hea te ehe paet mo e tō tātou whaterehau e whēat oa e rutui tāna ti a aga a. Ua hi om a ono hea te ehe pai te numera hea. Ua numera mai te hea. I matara mai e te rā numera i te e man. Merira. Te tu nōna au e Brekdeni ani rā te o tētā tui te teme ha maiti. Te ore rā tui e whare i te hupara tū tiri. O maiti rā tātou. Yo te mea e, te hopo ia, te hui mei te rā hopo ia, yo tui te whanangan hō rā pātō na tō tātou whatereau e nā te whatere rā hau te whenua, e tua tapa pai tau tapa rā e hupā. Ai tāna e, nā nea anō e parau e pōno atu te e mhana, e maoro a tātou in e te irawa. Tērā, mā Brekdeni. Van u dat dat ook bij me. Oui, Julien. Maruru Pretin. Tee hoe en hier ayatatu. Yamato, mita timori pro, wat je yamato te je moni, 15 000 francs. Je hee on eravo etatra moni etano, noto teiti en not momutu. Mana nae wo not motia o teiti nei, reino rato tramuni 11 mil fra mita Nicole Pr. Tot mo motura, e tano ta rato muni hamar ahia, not mea e no atua rato tikisi, me ya mato e harmeneiro tot mo rurura. Not mea he mo he ya oto i harmei rato i onei, aite tato i papu e utuafare ane to rato i onei. E preo ane to rato no te tapapa me te mo rurura. E te pro ni o ia tamara. O pro pro ho i o rene tona man o no matou. Ai te matou a haneru tot mo restaurant o matou trulo. Te o ho ni matou steak frit 500 francs. E le matou de mo fui a titou. O i te matou e utu ar heita matou i harmi peki ne. Norira, te ho man a tahin aru e tu uru tui tatou te i hei hei. Ia vei te moni a te motia. E o tu uru to te i e seu esse 11 mil francs. Met me e here to auto te moti e har mai nei. Ve ta auto 11 mil fro horo tra 15 mil fro nat moti o mo mut. Tra e te kem na auto horo ati a f atre ho maru far or am. Maru ru mona o te o chup a o te tu ta papar ai te irawa toru horu maturu. E mana ona e e tu o te e tu mai ti a. Alors ceux qui sont pour. Combien? Bien sûr, nous sommes sur l'amendement. Hein. Faites comme moi, suivez du début à la fin. Hein. Alors, ceux qui sont pour l'amendement numéro 18 présenté par Noa Tétouanu au titre de l'article 33. 24, ceux qui sont contre. 28, ceux qui s'abstiennent. 2 abstentions. Donc je demande à nous, à Tétouanoui, dans la foulée, de présenter son deuxième amendement, l'amendement 19, à moins qu'il veut le retirer. Malou Président, l'amendement numéro 19, toujours à l'article 33, au deuxième alinéa, les termes 632 fois la valeur du point d'indice de la fonction publique de la Polynésie française sont remplacés par à 450 000 francs,
Merci, je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Aucune intervention au titre de ce projet d'amendement. Donc je mets au voie le projet d'amendement. Ceux qui sont pour, 24 voix pour. Ceux qui sont contre, 28 voix contre. Ceux qui s'abstiennent, 2 abstentions. Donc je demande au rapporteur. Non, je mets au voie l'article 33. Ceux qui sont pour, 28 voix pour. Ceux qui sont contre, aucune voix contre. Ceux qui s'abstiennent, 26 abstentions. Merci. Je vous propose de revenir à l'article 28 pour examiner successivement les amendements qui vont porter sur l'article 28, 29 et l'article 31. Monsieur le Président. Donc je vous propose de vous reporter à l'article 28. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui, vous avez la parole. Oui, merci. Il est 5h10. Et vous voyez qu'un certain nombre de nous sont partis parce que vous nous aviez dit qu'on s'arrêterait aux environs de 17h. Donc, est-ce que l'on peut savoir ce que vous souhaitez, ce que vous envisagez de faire? Parce que nous souhaiterions qu'on puisse définir les choses et, si possible, s'arrêter. Je demande au président de groupe sa position. Non, bah, chez nous, on voudrait aller jusqu'au bout. Hein. Maintenant. Voilà. Nicole. Bon, je ne suis pas présidente de groupe, mais je voulais juste dire que si on continuait, certains devront partir et je fais partie de ceux qui devront partir. Donc vous risquez de voter entre vous ce texte, mais bon, c'est possible aussi. Ce serait dommage qu'il n'y ait pas plus de monde. Bon, ben on continue. Monsieur le Président, oui. Vous nous aviez dit que votre règle, c'était 9h, midi, 2h, 17h. Bon, on n'était pas trop d'accord, parce que justement, on était prêts, nous, à continuer. Donc maintenant qu'on s'est mis ça dans la tête et qu'on a organisé nos vies comme cela, et nos réunions, bien entendu. Mais on revient sur le... C'est vrai, j'aime pas faire ma règle, la règle de tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai consulté les présidents de groupe et puis apparemment le président de groupe de l'UPLD demande à continuer, donc je pense que c'est le vœu de l'ensemble de son groupe. Voilà. Madame Lana Tetouanoui. Oui, merci Monsieur le Président. Je tiens à remercier le président du groupe de l'UPLD qui a un respect total pour la religion. C'est pour compléter l'information de notre président de groupe, Armel Mercerot. Mis à part le maire de Topouatea, mais la première adjointe de Hitia vient de partir et porte sur elle 2 voix pour des raisons invoquées, c'est-à-dire sa religion lui impose à partir à une certaine heure, c'est-à-dire à 17h. Et nous demandons le report du dossier à lundi matin et non à demain comme certains le souhaiteraient. Dernière merci. Intervention, M. Myron Mataoua, président du groupe UPLD. Maruru Kriteni. Maruru Lana. Noto Uhere Yoto. Kehari Iduneita Uto Onida. Kriteni, Tateime, Mungire Tato Hamata. Très bien, ben, je pense que vous avez été entendu. Donc nous allons reprendre notre séance lundi matin à 9h, bien entendu. Et donc je ne fais que de la suspendre. Donc la séance est suspendue. Merci.